Original.
faire à l'école, mais yo bloqué la vie. Que t'es bossé des mots avec lumière pour l'esprit et ça. Nous pas même les couins, nous pas qu'à être imaginé. Sur le binec, ma wogwande, soumis en posonde. Mon Haïti, que liberté d'expression existe. Est-ce que 4 c'est ça, t'as salvé si devant la caille, pop, t'es si t'es joué, destruction, tout c'est l'ouverture et puis son parquet. Nous t'es doué suspendre d'où les Jésus inventé sous quoi clouer. Si pour qui ça, mon affect, puis éclairer tes sociétés. Parce qu'elle pas d'ado sous couleur, c'est même pas d'ado. Pour faire politique, il faut faire du politique. Politique, politique, économie, économie, société, société, invité, café chaud. Café chaud. Sorti lundi pour arriver vendredi, 8h pour 10h du matin, café chaud. Café chaud. Senti bon, tout chaud. Sous 93.5 FM. Bonjour à tous, c'est Café Show. Nous sommes très heureux pour nous retrouver tous fidèles auditeurs. Nous, et c'est là qui d'abord fait partie de l'auditorat émission Café Show dans Radio Le Témoin. Donc, auditorat, c'est des anti-cercles de monde qui généralement présent dans, pour tendre l'émission ça tous les matins entre 8h et 10h. Pas la peine d'ajouter du matin. Son seul 8h gain, après l'autre là, c'est 20h. Alors, nous saluons tout le monde qui est auditeur radio de manière plus générale. Et les gens qui sont dans le café chaud 8h, 10h, qui passent dans des bulletins, que généralement Raphaël a présenté ensemble avec Charline Murat à midi, et puis qui allait dans Score 45, qui tendait l'émission Sport, et puis qui tombait dans la Gekou Show. Il y a des gens qui même suivent des émissions que nous gagnons, qui roulent par semaine des émissions hebdomadaires. Tant coup, par exemple, Jazz Sélection, tous les jeudis. Et c'est 7h09, monsieur. Et Jazz Sélection, 7-9 liés. Donc, ça veut dire jeudi 7-9 avec JM, que je n'ai pas vraiment entendu depuis quelque temps. Et, donc, il y a des gens qui connaissent la programmation radio à par cœur. C'est des gens qui sont auditeurs de Radio ça. Le Témoin 93.5 qui lentement mais sûrement a créé en place et pour lui-même est capable d'imposer lui dans offrir des contenus qui agréables, de contenus de qualité, des contenus qui susceptibles pour aider à progrès et peuple ça société a. Donc enfin c'est ça la prétention le café chaud, nous vraiment voulons jouer un rôle dans ce sens-là, nous établir un média très positif. Alors, pour ceux-là qui pas forcément fan de radio, vous capable aller sur Le Témoin Haïti sur Facebook là, vous capable y a besoin nous live, y a besoin des contenus tout qui a permettre que yo apprendre en pile et puis jeune des éléments pour faire
propre idée de sa pays a yé en termes culturels, en termes historiques, sa pays a yé tout en termes géographiques, des zones, des villes, des communes, des quartiers, et sa pays a yé en termes culturels là, des métiers qui, en pile là, qui sont censés disparaître, en pile là, de autour que, qui commençaient à développer, mais que, pas qu'on focus sur eux. Ça veut dire, chaque semaine, on focus, chaque jour, actualité, société, sport, culture, ou a besoin de contenu qui diversifie sous page Facebook, sous site. Et le témoin haïtien, donc ça veut dire, nous sous plusieurs plateformes, nous à la fois en mode radio et puis en mode numérique, c'est website, tout ça, c'est pratiquement un travail diversifié. Alors, je dis à ce vendredi, on a rappelé le 29 septembre 2023. En principe, le vendredi, nous très cool. Et en bien, ça a tellement apprécié là. Si nous avons qui s'est passé entre Samuel et Béjan, malheureusement, nous n'avons pas mis la caméra sous négocier, nous n'avons pas mis la caméra sous moi. Nous avons compris que, effectivement, nous entrons dans le week-end là à fond. OK? Et c'est le moment pour nous vraiment détendre nous. Mais ça qui n'est pas détendu, c'est peut-être l'actualité. Parce qu'il y a des zones toujours tendues et des groupes armés qui ont même affronté eux et qui ont pris panique dans les zones qui empêchaient que la circulation de biens et de personnes ne bloque pas. Donc, qui provoque un problème parce que quand la circulation n'est pas fluide, quand c'est bloqué, quand c'est tendu, et c'est comme si Mdadjou les pas provoquer l'autre problème. Même moi, généralement, prends exemple, corps humain, et fait analogie ensemble avec lui. L'on bloque sans non partie dans le corps, les vins baillent tout reste corps à problème. Et c'est comme ça que, n'est qui armé, les après panique dans la zone comme ça, ils baillent toute catégorie de problème, petit machin, madame Sarah, grand commerçant, et des monde qui a juste passé. Des piétons, des monde qui en voiture, donc tu vois toute catégorie monde problème. Et c'est dommage que jusqu'à présent pour qu'on capable jeune des autorités qui pour administrer un remède pour permettre que ça les mêmes les résoudre comme problème. C'est dommage que c'est ça que lié malheureusement. Donc malheureusement on oblige tant toujours tant que toute crise multidimensionnel que nous généralement évoquer ici là, nous analyser, nous même aller plus loin, garder perspective par rapport à ça nous vivre là. Crise ça, il est poco capable et dénouer parce que acteur yo, il poco sous ça. Acteur politique yo, les tenants de ce gouvernement, monde qui fait partie de cabinet ministériel ça, yo poco sous résoudre crise là. L'opposition pas envie bouger trop. Gouvernement pas envie de bouger trop parce que peut-être il estime les gain réalité pouvoir la main et que les gain support étranger encore et une fois et même sorti qui fait tout pas montrer que gain désolidarisation avec gouvernement ça qui fait que lui prend confiance beaucoup plus. Donc à partir de ça gouvernement ouais l'abdodo meya parce que le gain blanc en dol, parce que le gain support yo qui paraît jusqu'à présent est infaillible, même sous-tendez que éminente personnalité de la CARICOM qui est engagé comme médiateur non et dialogue entre le gouvernement et l'opposition là, l'opposition dans sa pluralité et même sous-tendez que yo évoqué la tête d'Ariel Henry. Bon, on m'a envie de dire ça. Comme si possibilité pour le démissionner, même si vous tendez, ça a évoqué. Mais les Américains, les Canadiens, le corps groupe, l'Union européenne s'ouvre, même si en dans même corps groupe là, les États-Unis qui ont représenté la donne, même gens qui ont l'Union européenne qui représente en dans. Il faut qu'on bouge l'IO qui allait dans le sens et contre Ariel Henry. C'est beaucoup ça. Donc, ça veut dire que, une série de couloirs diplomatiques qui peuvent montrer que
y a désolidarisé avec premier ministre actuel là, en l'occurrence c'est docteur Ariel Henry. Vous comprenez bien, c'est ça qui vient là, bon côté Ariel Henry, l'estimer que le gain ça qui est important, alors que bon côté l'opposition, ou pas qu'a dit, ou pas qu'a identifié qui ça qui force li là je dis, sinon m'a dit ralliement ça autour de projet Montana par exemple. Un pile acteur, un pile structure qui met ensemble, qui y a des structures qui à fond, il y a des structures qui adhérent, il y a des structures qui sympathisent, il y a des structures qui collent avec eux, mais qui existaient comme des satellites. Peut-être que c'est ça qui force eux là, ralliement ça autour du projet Montana. Un pile acteur et qui effectivement ballon gros poids politique, mais après ou pas qu'a dit que Montana qui a fait, pas, alors, on pas ouais ça là. Peut-être que au café, ils ont pas choisi faire. Mais c'est pas des gens qui a dit la planche manifestation là pour faire une démonstration de force dans la rue avec tout le monde qui débarque qui dit que au pas rien. Donc là on parle du rapport de force par exemple. Ça c'est un élément qui est extrêmement important puis qu'on fait une convocation là, on fait une manifestation là et puis pour le peuple là qui a défilé en foule. Ça n'est les foule monde qui a exprimé dans la rue qui dit pas Ariel Henry et au prêt pour écraser, pour briser, pour montrer à Ariel qui pas joué. Ça pas connait Simon Tana et Kafel. Même moi si j'en rappelle doute quand même. Donc c'est ça. Et c'est parce que si Moun Montana a fait ça, pas quoi Ariel Henry tape là toujours. Pas quoi que le tape là toujours et lui tape getan bien bougé. Donc on t'a dit ça et faut moi dire encore pour me comprendre. Par rapport à la crise qui vient là et médiation qu'a fait entre eux, deux camps principaux. On souhaitait que l'autre monde qui attendait peut-être pas fait jalousie, mais moi, et pas que je voulais polariser la situation, hein, mais deux gros camps plus importants, là, c'est projet Montana avec le gouvernement. Et puis l'autre, moi, et c'est comme des structures satellitaires autour de Montana qui représentent aujourd'hui l'opposition. Et par rapport à position Ariel Henry, hein, même pensez que il y a deux gens capables de garder. Nécessité pour Ariel démissionner avec faisabilité. La question est-ce que l'idée nécessaire qu'il y ait un autre gouvernement avec une autre personnalité comme premier ministre ou bien un autre personnage comme vous voulez. Ma propose pas un avis personnel. Je pense que oui, il y a nécessité. Parce qu'en principe, si nous partons de côte et ensemble nous montons sur le bateau et puis il y a un capitaine qui dit que nous allons aller à la Gonave. Mais le bateau fin. L'anque fin levé, bateau marché. Le loup, c'est gros monde nous bralé. Nous réalisons que c'est gros monde nous bralé. Ou bien presque arrivé gros monde. Bon. Il y a deux gens capables de faire ça. Ce soir, bah, on est qui c'est ça possible tout. Depuis ce lendemain, nous choisissons l'autre capitaine. Ou bien l'anque fin levé, nous dit bon, capitaine, ça ne va pas servir avec lui encore. N'a pas obligé pour l'autre. Parce que quand il te dit la mène nous, et pas là, mène nous. Donc, s'il ne mène pas nous, quand il te dit nous, n'obligez qu'on l'autre capitaine. Parce que capitaine ça, il a perdu le nord. Il n'est pas contre ça l'a fait. Il n'est pas capable de résultat, puisque le résultat, c'est amené à destination. Donc, s'il pas mené nous à destination, il n'est pas doué qu'il y ait un gouverneur comme capitaine. Donc, après n'importe quel exemple,
de chauffeur de transport en commun. Nous montons, il dit nous que c'est tout le monde libre aller. Et puis là, nous restons, nous essayons tête limité pour sud. Et bien, nous arrivons à un côté, Antigua, ou bien Grand-Guave, par exemple, nous dit bon, merci en pile, mon frère. Ou te dit nous que c'est dans le nord pour aller, mais qu'on a nous reprendre. Ou de sud, nous avons obligé de changer de chauffeur. Parce que là, c'est ou même qui n'a pas gagné le sens de l'orientation, ou bien qui n'a pas compte à faire. C'est ça. Ou paramétriser la rose du vent, quoi. Ou pas qu'on est nord-sud, ou pas qu'on soit fait, donc, nous pas qu'à le périr avant, nous pas qu'à perdre du temps avant. Ariel Henry, t'es pour mettre élection, et même avant, et nous entrer en 2024. Deux ans après, même condition qui pas réunie pour nous au moins commencer à parler de élection. Pas gagné conseil électoral provisoire, pas gagné sécurité d'abord, nous disons ça parce que bon, et nous vient plus mal que le Ariel Henry t'es prend pouvoir. Donc situation entre-temps détériorée. Nous prend ça fondamentalement. Donc si nous pas couer n'a pas entré nos perspectives élection, nous voulons qu'elle vienne à l'horizon, ça veut dire côté de Bralia, côté de Bralia, c'est pas là Ariel a mené. Donc par rapport à ça, nous capables de dire que Ariel a échoué. Et le pire c'est que les parfums senti que le vrai mené côté nous doit aller. Aller dans un cadre de fonctionnement régulier, c'est-à-dire et mettez institution campée, mettez sécurité, nous prenons dans l'élection pour que nous gagnions des élus, pour que nous gagnions des dirigeants légitimes. Pour qui ça, c'est extrêmement important. Et avoir des dirigeants légitimes, c'est parce que, ou pas qu'à développer aucune bonne coopération, qu'elle soit bilatérale, qu'elle soit multilatérale, sans vraiment ou pas présenter des dirigeants qui légitimes. Légitimes, des mondes élus, des mondes que le peuple a bâillé mandat. Lors de facto, on a toujours participé dans une série de et rencontres bilatérales, multilatérales, donc bilatérales avec un grand pays, multilatérales avec plusieurs autres pays, il y a autant d'eau, parce que quand même, il y a une série d'espace de la donne, protocole respecté, protocole oblige que yo tando yo pa la avoir comme dirigeant de facto certes mais gon niveau dialogue la pa jam rive gen des promesses qui ka fait mais le pa ka honorer sou ou même parce que ou pa gen mandat gen des institutions financières par exemple qui ka vle et développer on font une transaction ensemble avec ou développer une coopération avec ou li réticente parce que ou pa gen mandat ou pa représenter peuple et chaque fois Abinader dit à chaque fois que lui-même livre le dialogue maintenant c'est compliqué pour lui-même pour le dialoguer avec des dirigeants qui pas légitimes et en plus qui non gouvernement en disgrâce qui n'est pas en odeur de sainteté inefficace de sur quoi? C'est difficile pour lui. Donc, à ce niveau-là, obligé de comprendre Luis Abinader. Parce que, effectivement, c'est compliqué de dialoguer avec un gouvernement dont les éléments qui ont même composé lui, c'est des éléments en pile là, aujourd'hui, là, ils sont sous sanction. Et quand on voir quand même les quand on analyse les motifs de sanction nous vraiment que c'est des monde qui pas supposé là encore mais au choix irrité c'est parce que c'est haïtien malheureusement faut dire parce que nous politiciens haïtiens il pas connait ça les disgrâces il pas connait ça les déshonneurs il pas connait ça les
et aux pauvres. Li pa konn sa yo rele et li pa agi selon la raison. Li pa konn sa yo le rationalité, li pa konn sa yo rele réalité. Li pa gen le sens. Et ça m'a brûlé gêne, qui pas gêné. Qui fait que grand pile nèg là qui encore dans poste. Donc cela dit l'organe un gouvernement avec des éléments comme ça. En plus de considération morale que nous fait à l'heure, nèg yo inefficace. Yo pa bay résultat. Yo pa gen contrôle territoire. M'pa étonné non si yo di m que grand pile moun nan gouvernement là. C'est pendant gen crise canal là là, oui, au moins songe ou bien yo apprendre wanamen c'est Haïti. Son moun vin di m ça, m'pa étonné non. Parce que nous engouffrer dans la République du Port-au-Prince, tout se passe tout brasse qu'a fait, il fait en dans République de Port-au-Prince et c'est l'esprit nous, conception nous de l'État d'Haïti, c'est en dans s'allier en dans la République de Port-au-Prince, pas garder l'autre côté plus loin. Donc moun sa yo pa ka porter développement, moun sa yo pa ka porter progrès, moun sa yo pa ka et porter aucun avancement pour population haïtienne parce que population haïtienne déjà dans tête yo c'est en dans République de Port-au-Prince sans que lié. Donc ailleurs c'est des étrangers et même plus loin par exemple au niveau et à l'étranger et va même qu'à concevoir Haïti avec moun sa yo la diaspora par exemple diaspora c'est étranger pour yo c'est ça qui fait que ouais yo joué pieds et mains pour empêcher que diaspora li gagne accès à ensemble de et d'espace, accès pour jouir de ensemble de droits, fondamentalement, capable de dire, et notamment et civil et politique. Question pour Alain, pour le candidat dans des postes clés, ou après que toujours en réticence pour faire plaidoyer dans ce sens-là, parce que mon gars dirigé, il a engouffré. Conception très petite au fermé de la République du Port-au-Prince. Donc, c'est moun sa ou que nous gagnons dans l'État. Et c'est moun sa ou tout que nous gagnons aujourd'hui en transition ça. Et qui fait que c'est très compliqué pour un gouvernement étranger développer des relations, des coopérations, qu'elles soient bilatérales, qu'elles soient multilatérales avec moun sa ou. Comprenez bien. Et c'est gouvernement ça que nous gagnons. Maintenant, si c'est gouvernement, ça que nous gagnons, et j'aime dire non, inefficacité tellement criante, je pense qu'effectivement, il faut changer entièrement, intégralement. C'est-à-dire, Ariel Henry, supposé par là tout. C'est un avis personnel. Et bien, ça me dit, il y a Ariel Henry, oh, écoute, il va dire, écoutez, bon, et à la radio, j'ai entendu, m'entendez mon cap parler. Ah, qui dit que y a une nécessité pour me parler encore. Et la raison, l'inefficacité de ce gouvernement, qui, j'incarne cette inefficacité, j'incarne cette ineptie, j'incarne et cette insouciance au niveau de ce gouvernement, exprimé au niveau de ce gouvernement. Et bon, pour toutes ces raisons, et je me casse. Ariel Henry va pas dire ça. Même si montrer que, effectivement, on nécessité, parce que nous pas qu'à continuer avec un mauvais chauffeur, un mauvais capitaine bateau, qui dit que l'a mené nous Saint-Louis du Sud, pourtant mené nous Saint-Louis du Nord. Qu'a fait une perte du temps. Oui, nous allons mourir en route, mais nous perdons du temps. Parce que le on, capitaine bateau du l'amène au Saint-Louis du Sud. Et puis, on remarque pendant sous la mer, ouais, c'est le sens de l'orientation du pendule,
Li pa maîtriser la rose du vent, li mette nous, li mène nous Saint-Louis du Nord. Donc le nous remarque que c'est Saint-Louis du Nord la mène mes amis. C'est s'il patouille nous sous la mer, la fin perd du temps. Et effectivement, avec Ariel Henry, c'est vraiment une énorme perte de temps. 2 ans depuis pas rien sérieux qu'a réglé là. Rien sérieux qu'a réglé là. Perd du temps, en pile temps. Effectivement, pour ces raisons-là, faut que tu as dégagé. Ariel doit dégager. Même qu'on est que nous sommes en terrain politique, c'est pas ça m'a dit, c'est pas juste une déclaration et puis qu'il va s'en tirer quand même. Et maintenant, l'aspect faisabilité. Comment ça possible? Parce que Ariel Pape choisit de démissionner. C'est pour ça que les politiques sont et sous point comme en science, sous point comme en exercice, sous point comme en pratique, les extrêmement complexes. Comme pratique, n'existe nous connaît pas démissionner, n'existe connaît même sous pousser de tomber, il va pas quitter l'espace là. Maintenant qu'on a comment faire pour quitter. Et je dis là, nous tellement arrivé loin. Dans sans gêne, dans sans honte là. Dans sans pudeur, même si peuple prend la rue, si c'est pas tout yo tout yen, bon, ça arrive même, nous préférons mourir. Allez, ça arrive, journal. Il préférait mourir que le bail vague. Ça arrive, ça veut dire que c'est code nombrit nous yon mara pouvoir. Donc, si c'est pas un étranger qui visiblement, ou on me dit visiblement, c'est parce que longtemps c'était combine qui était qu'on fait, nous pas qu'on connaît. On est rentré caché en côté là et puis il dit regardez chef police, chef commandant de l'armée et nous pas le gouvernement ça encore et comme ça coup d'état qu'on fait mais qu'on y a là, il est visible. 2-3 déclarations, tweet tombé ou pas chef encore. Si c'est pas comme ça que l'exprimer aujourd'hui là. N'existe pas changer position. Il n'y a pas de changer de position. Par rapport avec Ariel Henry lui-même. Pas de 3 options. Il y a des gens qui pensaient que c'est composé avec Ariel Henry. Ça que Evalier Beauplan a raté. À l'époque, Jovenel Moïse a 80%, 90% du pouvoir. Bah, c'est le Tédil dans la métropole. Il était raté possibilité pour être entré dans le pouvoir et puis tout réduit Jovenel Moïse presque à néant parce que l'on gagne 80% de pouvoir dans le monde. Donc, ou gagne gouvernement dans le monde. Gon côté carrivé chef l'État. Presque pas gagne un pile marge de manœuvre. Oui, il était chef de l'État. Mais chef de gouvernement, tellement gagne en main. Parce que l'opposition t'a investi presque tout espace pour voir honnête. Tout gouvernement n'est pas tapé un problème de pour cohabiter et même réduit presque à néant Jovenel Moïse. Naturellement, il a toujours cherché à faire petit coup à lui. Parce que c'est politique, parce que son nèg tout qui était un petit côté bête d'âme et tout. Mais il n'est pas tapé bien trop marge de manœuvre qui t'a fait que si l'opposition t'a entré dans la logique ça, à l'époque, il y a une possibilité pour réduire Jovenel Moïse à sa plus simple expression. Comme ça, certes, il a toujours été président, mais c'est à peu près un président du genre, je dirais, Boniface Alexandre et la tortue. Presque là pour recevoir des ambassadeurs, pour vraiment des prérogatives présidentielles strictement. Il y a des gens qui pensaient que jodi à la, n'en garder ça que faisait bio, c'est ça qui venait d'abord. Que l'opposition investit presque tout le gouvernement, même si il y a des gens qui disent, ah, même si au partant des négociations, il y a une petite rencontre qui a fait, il y a une négociation qui a fait,
et en battable, des négociations qui ont fait dans ces chiffres qui montrait que perspective là c'est l'allié, c'est là n'bralé. Bon ça a toujours existé, il est dans pratique politique nous ici. Même si tu as des nègres, matin nègres là du que le pas dans Ariel Henry. Demain matin à 3h, la négocier. Bon comme qu'il y a route qui ont gens difficile pour nèg prend yo et en sécurité a pas même j'en était en 2019-2020, ça qui arrivé que c'est dans téléphone. Bon, dans téléphone dans grand risque parce que n'y a pas connait si et pendant Ariel Henry a négocié avec il pas mettre sous speaker. Mais pas mettre plusieurs monde sur appel là en pile fois qu'on a pas connait ça qui fait que bon ça le cas contingent réticent par rapport à elle. Mais plutôt ça. Plutôt pas là avec elle que il va pas là avec elle et puis Ariel Henry a pas avancé. Il y a des gens qui pensaient que c'est ça qui véritable option. Entrer dans le pouvoir, prendre le pouvoir, et puis mettre Ariel Henry sous côté. Maintenant, est-ce que ça satisfait un groupe comme Montana, par exemple, qui lui-même est posé, même genre avec l'aide de Claude Joseph, comme condition, sine qua non même, la démission d'Ariel Henry. Et, bon, Claude Joseph est beaucoup plus radical de aider. Mais Montana lui-même, ce qui est plus important pour lui, c'est que il a changé forme de gouvernement. Que nous sortions d'une administration monocéphale à une administration bicéphale. Donc maintenant, comment et cela va se faire? Comment c'est? Il paraît bon. J'interprète, hein? Montana, pas de problème que nous pas désigner ou bien nous pas, par contre, comment on a fait ça? Nous pas nommer un président, mais que nous transformer organe et HCTA comme organe exécutif. Pour éviter que Ariel Henry gagne tout pouvoir ça au Namel. Ou ça, vraiment comprendre ni parce que l'homme ou institutionnaliste, l'homme ou consacré les démocraties, ou pas qu'à insensible avec ça comme position, et ou pas qu'à parler comme une très bonne position. Ou bien comme une position qui fait sens dans un contexte, ou bien dans une dynamique politique côté la pône démocratie. Donc Ariel Henry, pas de gagner tout pouvoir ça pour col. Donc on y a un dit c'est assez en transformer, nous faire sortir d'un organe consultatif à un organe exécutif. Et si nous disons comme ça, ça veut dire Madame Manika tout président. Ou bien si on ouvre il et puis tout changer nature li, faire sortir d'un organe consultatif à un organe exécutif, ça veut dire peut-être que yon nan moun capable ajouter ou capable venir président sous tête Ariel Henry. Ce que Ariel Henry ne veut absolument pas voir. C'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Qu'on a comment ça a fait? Si ce n'est pas négociation pour mener. Si ce n'est pas négociation, là encore, avec vrai interlocuteur là qui parle Ariel. Si c'était pour Ariel, il a fermé les yeux sur sa créée l'opposition, il a avancé, il a cherché. Bah au poste, il t'a cherché fait politique avec eux, politique à l'haïtienne bien sûr, jusqu'à ce que lui ait émietté et l'opposition, jusqu'à ce que lui décime, lui prend un parti, lui quitte l'autre parti, lui réduit net à plus simple expression. Donc on enchaîne, vraiment, interlocuteur là, c'est pas Ariel, c'est Leblanc. On a comment convaincre Leblanc qu'il faut faire un transfert de pouvoir de Ariel Henry qui est dans même là à un autre groupe monde qui censé paraître plus autonome, qui censé paraître plus compétent, qui censé au moins présenter qu'on capable bailler un bénéfice et non seulement de l'urgence mais du doute et pour mener back pays qui capable rassurer acteurs parce que il gouverne l'autre transition que nous demandons, l'autre gouvernement qui prend l'entrée dans notre transition, qui t'a paraît
Et ceci ne serait-ce que dans, dans les mots. Bon, tu as dû faire transition de rupture là, que vraiment faire transition de rupture, rupture à une série de mauvaises pratiques, à réorienter justement politique et pays, ou bien gouvernance là. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Comment convaincre Blanc, pour dire Blanc, nous pas capables avec Ariel Henry encore, faut que nous désolidariser nous avec Ariel Henry, faut que nous changer cap. Mais comment il faut nous dire, mon capitaine de haut, puis vous comprenez. Ça pas qu'à suffit pour Blanc. Faut dire Blanc, qui se passe ou à balle, comment ou à permettre que l'idée fasse intérêt. Comment on garantit intérêt. Parce que pas aucun gouvernement qui établit là, qui n'a agi, sans pas bail de garantie avec Blanc par rapport avec l'intérêt qui a gagné au même ici. C'est ça lié. Prendre pouvoir, c'est. Moi, dis-nous ça. C'est deux gens. C'est pas là Blanc pour désolidariser avec Ariel Henry. C'est dit peuple là, faire mouvement, là, jeter Ariel. Mais comme on est fait mouvement, jeter Ariel là, un peu compliqué dans le contexte ça, et mais c'est pas là ensemble avec Blanc, parce que, et là encore, on connaît un pile là, qui, et dans la classe politique là, c'est des démocrates. Bon, démocratie dans le sens de Rosa Fallon, qui dit que c'est changer un régime sans violence. Donc ça veut dire que c'est des gens qu'on connaît qui peuvent le chercher en utilisant leur intelligence supérieure, convaincre Blanc, pour que Blanc désolidarise avec Ariel Henry, et justement, vin ba yo support pour yo prendre pouvoir yo même et changer cap. Et ça que chantier, je dis. Et peut-être, ma konne non, on ka pa gen raison après deux heures de temps, après trois heures de temps. Nan sa n'a pas lié à la seconde groupe qui l'a dans Montana, mais après l'autre yo, ou ap vacillé, ça veut dire. Yo recevoir coup de fil. Yo ouvert un dialogue avec Ariel Henry. Et ou pas gen problème en pile là-dedans yo pour yo faire partie du gouvernement avec Ariel Henry. Si gen deux structures au moins, bon, m'a prend un projet, moi montant comme mon véritable projet et pas une petite structure tellement gen deux structures qui mettent ensemble qui pour porter li. Je pense que Montana effectivement yo Ariel Henry a posé un problème pour eux. Ils ont été cohérents. Claude Joseph, lui-même tout, beaucoup plus radical. Mais l'autre, yo, est capable de négocier. Ariel Henry font bon temps dans la classe politique, là, ils connaissent pile le monde, même si dans des groupes 30, groupes 10, anciens sénateurs, anciens députés et anciens directeurs généraux, ils connaissent Ariel très bien. Et Ariel, car il a parlé, plus facile. Quarantaine logique Ariel Henry que Montana ensemble avec aidé par exemple. Peut-être Montana capable, s'il force et s'il joue bien, gagne une cause. Mais le problème avec aidé, c'est que je sens que en pile monde qui t'a suivi aidé a commencé pour petit bac depuis l'heure. Manifestation lancée à l'événement pas de faire recette là. Il commence à poser question, font évaluation de structure. Est-ce que le gain pour ça qui a été imaginé à vrai? On ne peut pas se cacher, on ne va pas se mentir. Claude Joseph pas gain pour ça que mon te imaginé à vrai. Son belle structure, belle jeune fille, belle jeune garçon, jeune monde. Bien frère qui paraît faire politique là ou l'autre gens, il vraiment montré une sorte de rupture et en très bonne posture. Rupture qui voulait présenter comme Simdadjo, représenter la rupture par rapport aux pratiques politiques et puis dans la posture tout, senti que voulait paraître différent. Et pas un bon petit grand monde et puis entrer dans l'État, qui fait gargote. Mais, ou senti c'est des jeunes qui voulaient venir faire politique là en l'autre gens. Cependant, poids politique, parti idéal est questionnable. Et à partir de manifestation ratée, ça de Claude Joseph,
nous senti que le perdu poids, le perdu plume. Je dis à après Claude Joseph plus envie de parler sur les médias parce que hey, j'ai l'impression c'est l'international qui dit monsieur, pas un problème. Vous voulez parler comme un véritable ayant droit, comme un véritable structure qui a un poids politique qui pesant, montrer force au souterrain. Et puis, dans le montrer force, pas un mal passé. Et Aïssé, c'est comme ça. Aïssé, pas un même marché des perdants, non? Ou est-ce que ça t'a réussi? L'étape rallier beaucoup plus de monde. Tout le monde t'a dit, ah, si tout le monde s'est au cap couillé, monsieur, vous bagaille là. Mais manifestation, ça a tourné comme une espèce d'échec, défaite, et qui vient loup pour Claude Joseph. Bien entendu, c'est politique n'a pas fait, et la politique elle est dynamique, ça nous est aujourd'hui, il n'a pas ça demain. Et Claude Joseph est très intelligent, il est capable de devant, il vient dans une situation côté, il est tellement allié de monde, parce qu'il quand même un bon discours, parce que quand même il a une capacité, il a une compétence. Il ne fait que, il n'a pas besoin de même éterniser sur ça que tu fait, mais. Si c'est pour aujourd'hui, Allah nous oblige à dire que le poids politique idéal est très questionnable. Aider peut-être pas ça, ne penser à vrai. Et ça, il fragilise Claude. Parce que et même si Claude Joseph en soi, pas après l'élection, mais la voyez moun. Et pour l'élection, il faut un financement. Et quand il y a là, moun ka finance, il faut un poids souterrain. Donc, il faut un poids souterrain, problème. Parce qu'on ne peut pas investir dans un perdant. On peut investir dans un monde qui connaît Kage. Et le monde qui connaît Kage, il faut le montrer ça sous terrain. Non, si match amical. Non, si faut le montrer que l'Ika gagne. Donc, le Joseph a le problème. Maintenant, le projet Montana. M'envie ou intelligence politique là. M'envie ou l'exprimer dans comment. N'a cherchons un mécanisme pour nous remplacer, pour nous transférer le pouvoir. Le groupe Ariel là, un groupe pas nous. Et moi, je vois comment nous pouvons convaincre l'international pour lâcher Ariel Henry et pour laguer le pouvoir de l'autre côté. Moi, je vois comment ça va le faire. Moi-même, ces mécanismes, concrètement, moi, vie et comprendre, moi, vie ouais, capable de permettre que nous retirions le pouvoir dans le groupe ça. Groupe Ariel là, et puis l'autre groupe là. C'est ça qui est important. Et, vous entendez tout le monde, Montana, qui a parlé. Vous parlez tant que, oui, qu'on nécessite pour changer de direction, pour changer de gouvernance, pour changer de gouvernement, mais la faisabilité, je n'ai pas senti que vous mettez mal à l'aise là. Je n'ai pas, ouais, du tout, comment vous le faites? Certains là, ils ont dit, ah, faut peuple apprendre à oui. Convoquer peuple là. D'autres jours, Foc Blanc désolidariser la Ariel. Mais c'est nous, comment on va faire ça? Parce que sinon, Jean-Ariel est là, nous, Blanc, Coril. Ça veut dire, Ariel, li bay garanti. La politique, c'est une question d'intérêt. Donc, ça veut dire, si intérêt Blanc, lui-même, li garanti avec Ariel Henry. Bon, nous, Jean-Ariel est là. Nous, elle vient support. Donc, comprendre que ce n'est pas parce qu'Ariel Henry n'est pas efficace qui fait Blanc pour le désolidariser. Il faut que j'ai son autre moyen. Et c'est ça le devoir. Hein? Soit on a utilisé, bah, on a un rapport de force là, le peuple nous dit prends la rue. Soit on utilise l'intelligence politique. Nous. M'en vie, ouais, côté intelligence politique, groupe Montana, Menel. Et mener à qui ça? Mener à déterminer des mécanismes pour transférer le pouvoir du groupe qui gagne la main à Ariel Henry à eux-mêmes. M'en vie, ouais, ça. Parce que dans ça, nous n'avons pas qu'à utiliser la loi, nous n'avons pas qu'à utiliser la Constitution, nous n'avons pas aucun mécanisme légal que nous capables d'utiliser, nous n'avons pas qu'à faire convocation populaire, manifestation, ou bien beaucoup faire. Donc, il faudra inventer quelque chose ou réinventer quelque chose. Maintenant, j'attends ce moment. Côté Napral, vraiment inventer un mécanisme qui pour, sans violence peut-être, c'est souhaitable, en douceur pour nous retirer le pouvoir de Ariel Henry et mettre l'autre groupe que nous estimons qui est capable de faire mieux
qui capable parce que quand même Machiavel joue ça que politique là c'est un choix entre le pire et le moins pire. Peut-être un groupe qui est moins pire que pas Ariel Henry. Moi-même, c'est ça ma tonne. Et gros, ces positions sur ça, toujours exprimer. Moi, je pensais que. Et ça, c'est réalité à ce moment. C'est pas même une question d'Ariel Henry. C'est pas même une question d'individu. Soit question de feuille de route, soit question de projet, soit question de volonté, soit question de capacité. L'homme dit feuille de route là, ok. Est-ce que nous entendons sur qui côté nous sortir, qui côté nous aller? D'abord, nous entendons sur direction, on apprend. Route n'a fait, et puis, comment nous comportons, qui ça n'a fait pendant nous aller, vous voulez aller côté nous aller. Question sécurité, comment on n'a pas abordé lui? Est-ce que c'est avec la police? Est-ce que c'est en attendant la force, la police a commencé à agir? Ou bien, on attend que la force a venu pour nous faire une seule opération? Comment on a fait? Dans combien de temps on a fait? Dans un an, dans six mois, dans deux ans? Et qui ça qui a véritable mission, tel monde? Est-ce qu'on a besoin d'un secrétaire d'État à la sécurité publique vraiment dynamique dans le moment? Mais qui ça va le faire? Nous définir tout rôle, toute position, et puis ça entraîne dans un canevas. On dit, n'a pas sorti là, n'a pas là, et puis mes canevas n'a pas suivi. Pour moi, c'est beaucoup plus important que de parler des individus. Parce que moi, c'est quoi? Retirer, il met ton lot, depuis nous pas entendre, nous sommes en feuille de route. Qui dit, mais dans qui cadre n'a pas fonctionné? Mais dans qui espace n'a pas fait tel bagaille? Depuis, c'est pas comme ça, moi-même, beaucoup comprendre. Et mon qui capable dit ah et depuis temps peut-être monsieur mon est capable protéger Ariel mais qui cap parler en faveur Ariel. Mais non, c'est pas ce que moi-même ça qui est plus important moi c'est pas Ariel Henry. C'est Jodia qui j'en a défini mission au premier ministre dans quatre transitions. Pour n'importe monde qui vient hein connaît que mon cher n'importe comme si c'est comme si une machine automatique que n'a l'acheter que nous construit et puis nous tout mettre tout bagage automatique peu importe monde qui là. One, c'est quitter le marché. Pour tout bas est bien défini. Pour moi-même, c'est pour... Et ça qui est plus important. Feuille de route, là. Nous entendons sur une feuille de route ensemble. Et ça qui fait, à quoi là, nous toujours supporter, à quoi nous toujours supporter compromis. C'est que tout, plus fort acteur, entendons sur tel côté au bras. Entendons pour combattre la sécurité. Entendons pour nous aller à l'élection. Entendons pour nous poser ensemble de problèmes sociaux. Entendons pour nous. Et faire une bonne réforme, entendons-nous pour nous mener un bon domaine, ensemble. Ensemble, on avait dit tout le monde dans l'État, non? Ensemble, on avait dit que tout le monde rejoint dans un projet. C'est ça qui est important. Donc, on parle de feuille de route, là, c'est ça. Nous citons sur un document, par exemple, concrètement. Dans le document, il dit, maintenant, qui ça n'a fait, dans qui il se passe tant n'a fait. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Réforme de la justice, ok. Mais qui est-ce? Mais qui ça n'a pas fait? Mais nous combien de temps n'a pas fait? Or, en Haïti, il y a un problème avec les politiques. Les gens disent que ça vous le fait, mais pas les gens disent combien de temps vous le faites. Les souhaitent qu'on va le pouvoir, mais pas les gens disent combien de temps vous le faites. Donc, s'il a fait 10 ans, il a fait 10 ans. Il a toujours battu pour arranger là, sur des balles 3 mois pour le fond, pour le remplir en mission, et puis retourner well sur 12 mois. Privé pour un pouvoir pour 120 jours, retourner well, il parti sur un an. Et c'est pendant l'arrivée sur 120 jours, le jour, ah bon, il a regardé la situation pays, vu le contexte, Jean pays a aller là, nous pas capable de faire l'élection Kounia. Mais il te connaît bien avant de te prendre. C'est parce que ça que tu viens poser, tu es posé comme problème. Nous t'es plus à regarder qui est-ce pour mettre en transition qu'une définie feuille de route là. Tout le monde dit, puis il faut monter intéressé qu'on est qui est-ce qu'a président, qui est-ce qu'a premier ministre, qui est-ce qu'a directeur général. Au lieu que tu es penché sous agenda,
feuille de route, canevas. Problème là, c'est ça. Nous plus à garder individu que nous garder système. Et ça fait problème, nous toujours été entier. Parce qu'on a penché beaucoup plus sur individu, nous parce que on grain monde. Pourtant, c'est système là, c'est cadre là pour nous changer. Mais c'est ça qui est important. Donc ça veut dire certaines fois on pas être optimiste. Le mot est nous voulons parler pour les jeunes, nous voulons parler canevas, nous voulons parler cadre de fonctionnement. D'autres fois, on paraît très pessimiste lorsqu'à chaque fois, moi, on voit que c'est des mouns n'a parlé. Ok, on a dit Ariel Henry, on mettait Edgar Leblanc. Edgar Leblanc, son est très respecté. Son est toujours présenté comme honnête en politique. Il était sénateur, NIP. Son est qui tout le monde connaît. Pas de cap chercher, fait l'argent. Mais si on ne pas définir un cadre pour fonctionner, mettez le président, mettez le premier ministre, la péchoué. Parce que l'autre, tomber dans le poste, il faut qu'on qui soit prêt à le faire, il faut qu'on ait combien de temps à faire. Il faut que le cadre soit réglementé. Et ça, le plus important. Et ça fait un pile, mon échoué tout. Les gens qui sont tombés comme président, et puis, ils ne savent pas qui ça va le faire. Ils ne savent pas qui ça va le faire, dans combien de temps pour le faire. Ils ont tâtonné. Et puis, dans le tâtonné, ils ont perdu du temps. Ariel Henry, pour pouvoir, ils vont faire l'élection. Oui, mais. Oui, ça a son beau parole. Mais faire l'élection, comment? Dans combien de temps? C'est ça pour moi-même qui suppose le débat. Et ça qui est important pour moi. Donc pour moi-même, parler de cadre, parler d'agenda, parler de canevas, beaucoup plus important. Plus, c'est même parler de comment on a fait l'État fonctionner que comment on a architecturé. Parce que c'est fonctionner beaucoup plus important pour moi. Un gouvernement monocéphale ou bicéphale, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est est-ce que l'a fonctionné. C'est ça qui est important pour moi. Maintenant, on a l'autre réserve. Pas jamais comprendre dans la pratique politique, nous-mêmes haïtiens, qui j'en ouvre pour nous faire partie d'un gouvernement et candidat à la fois. Que c'est même gouvernement ça qui va faire l'élection pendant que la candidat. Beaucoup de gens ne comprennent ça. Nous voyons des gens qui représentent dans le gouvernement et puis c'est gouvernement ça qui va faire l'élection côté candidat dans l'élection ça. Pas comprendre. Moi candidat au sénatorial, moi candidat à la députation, moi candidat à la présidentielle et puis j'ai un représentant dans pouvoir qui fait élection. Alors, lundi pouvoir faire élection et c'est pas comme si c'est un cadre normal mais dans les faits c'est ça lié. C'est vrai que le conseil électoral mais attendez, nous connaît qui genre la politique et le pouvoir politique à l'élection qui genre pas vraiment une grosse séparation. Toujours une influence qu'a exercé en permanence. Donc pouvoir sous pouvoir élection en fait là, il toujours une influence qu'il exerçait sous conseil électoral là. Bon genre à suivre une élection là, parce que on va suivre une élection que ça. Elle va faire plus l'élection que ça. Il va faire régulièrement. Même beaucoup j'aime élections que m'a observé qui fait en Haïti. Beaucoup j'aime ouais des élections qui fait sans que pouvoir politique là pas influencer KEPA. Et c'est dommage moi tout. Depuis que l'esprit beaucoup j'aime nous j'aime dans KEP permanent malheureusement. Toujours qu'on KEP qui a changé et c'est toujours en compte metil et puis c'est ensemble de monde représentant bon secteur. Donc yo still rester représentant secteur pendant on rester dans KEPA qui vient faire que pas aucune autonomie d'action bon côté conseiller électoral yo. Et en plus de ça il y a exercé alors gain influence pouvoir politique qu'a exercé sur yo n'a même on monde expliquer ça comment pour nous faire bon élection pendant que gon série de pouvoir qu'a exercé influence sur KPA qu'a fait élection non sens a essayé qu'a bailler moyen de toutes les manières
et puis m'gen représentant dans gouvernement tout nèg a goumen pour yo gen représentant pour yo diriger ensemble pendant tout dans yo tout candidat pas je m'ka comprendre ça comme si là nous pas ka entendre nous pour nous justement mettre des moun autonomes des bon, termes un peu on parle même technocrate mais ça fait pas ka arriver mettre des technocrates dans poste des moun qui plus ou moins autonomes et puis cap diriger et puis on mettait des gens qui plus ou moins autonomes en deux KEPA qui vous fait élection et puis que tout le monde engagé pour respecter le résultat de l'élection. Là encore c'est notre problème. Nous pas voulons d'accord qu'une perdu. Nous respectons le résultat de l'élection seulement les gagnants. Ouais les groupes qui gagnent ils parlent toujours respecter décision KEPA, respecter résultat. Mais un groupe qui va gagner ils vont voler l'élection. Non mais et tout ça, on peut corriger. Même tout ça, on peut comprendre tout. Donc, pour moi-même, pour me finir avec le développement, ça, ça qui est plus important, non seulement, d'abord, son feuille de route. OK? Qui ça nous va le faire ensemble? Non? Qui ça, gouvernance là, qui la donne comme contenu? Mission gouvernement, prochain gouvernement, qui la donne comme contenu, comme mandat. Qui ça, feuille de route là, à pied? Donc, c'est ça le plus important. Et puis après, il faut regarder qui monte dans le gouvernement. Des hommes plus ou moins autonomes, parce que tout le monde qui n'a pas mis, de toute façon, on peut nous dire qu'on intègre. Des gens qui plus ou moins autonomes, qui ne peuvent pas être influencés par le pouvoir politique, qui ne peuvent pas être influencés par des organisations, qui ne peuvent pas être influencés par les pouvoirs sociaux, qui fait travailler en bonne et due forme, suivant, selon les règles de l'art. Aussi simple que ça. C'est la bataille là. Bataille là par l'autre côté. Bon, changer rien, il met tout l'autre monde. Si nous étions même gens qui étaient là, nous ne pouvons pas faire élection dans 2 ans. Nous ne pouvons pas faire élection dans 1 an. C'est des dispositions pour nous prendre, pour que nous entendions nous, ce qui ça nous devons faire comme feuille de route, et puis que qui monde capable de faire partie de l'équipe capable de mener une nouvelle transition. Est-ce que vraiment son transition, ou bien essayer de faire une transition de rupture? Rupture par rapport aux pratiques, rupture par rapport à la gouvernance qui est là, rupture par rapport à, et m'en vais dire, paradigme que nous avons gardé. C'est ça. Donc, quelque part, comprenez bien, avis personnellement, c'est ça, c'est que ces jeunes ont terrain, ces jeunes ont. Si tu as son feuille de route et puis avancer avec des hommes qui autonomes, qui vraiment capable de faire une autre transition, qui vraiment capable, en mesure pour faire une élection qui pour faire rentrer dans un cadre de fonctionnement régulier. Radio Le Témoin, potez pour, café chaud, yo matinal concentré, 100% pur jus, pour plonger en actualité haïtienne. Pour faire politique, il faut faire du politique. Politique, économie, société, invité, café chaud. Sorti lundi pour arriver vendredi, 8h pour 10h du matin, café chaud, senti bon, tout chaud, sous 93.5 FM. Merci infiniment Samuel Pierre et qui a fait nous là dans le studio et bon ça doit être, à chaque fois rappelez-nous que c'est vendredi hein, c'est week-end et ben pour ça met en couleur aussi sombre là comme ça et, alors que c'est week-end mais moi j'allais me suivre un courant tout ça comment ça a passé et bon il y a mon gars dit ah ouais ça m'a plus rasé ne pouvons pas mettre au diapason qu'est-ce qu'on va dire rasé
Bon, rase ou pas, n'a pas avancé. Bonjour, Charline. Et moi, très content de jouer nous là matin pour nous continuer à faire route ensemble. Hein? Mm-hmm. Pas tant que bac là, non? ça me balle tout là, oui. Bonjour, Marcus Cola. Bonjour à Samuel Pierre. Bonjour à Béja France. Bonjour à tout le monde qui est déjà branché ou qui était débranché. Alors, qui était branché depuis il y a 8 heures, qui t'a suivi Bel Rally, qui t'a fait sur l'actualité. Hein? Et nous comptons là avec vous aujourd'hui, c'est vendredi. Dernier jour dans semaine, dernier jour dans mois. Si je ne me trompe pas, oui. Dernier jour dans mois. Parce que jeudi à 29. Dernier jour qui a émission dans moi. Qui a émission dans moi, bien sûr. Ah, pour préciser. Oui. Dernier vendredi. Là, il demain octobre. Dernier vendredi dans moi, tout. Dernier vendredi dans moi. Exactement. Quel, tout ce qu'on a pour faire, vous voyez, ce septembre dans l'allée là, c'est fait. Sans réserve. Mm-hmm. En tout cas, je veux dire, c'est vendredi. Nous comptons là avec nous toutes. Donc, vous même qui branchez la caille ou sur radio, capable de monter sur Facebook là tout pour capable regarder. Et interagir avec nous tout. Donc, on a fait nous, le devoir pour nous les commentaires pour nous réagir avec vous, puisque je viens de parler de ces deux sujets qui a peut-être intéressant. Donc, monter, partager live là, arrêter ensemble avec nous. Donc, on va le faire, on tire à les sous actualités à moi tous. Effectivement, sur les, justement, sous actualité, et qui ça paraît avant là? Ça paraît avant. Tout sujet paraît avant. Non, qui paraît avant. OK, donc on a commencé avec Juno 7 et Béjean. Juno 7 qui écrit sous voyage, disons Jean-Victor Généus, qui lui-même gagne pour matin là pour aller dans l'ONU. Mm-hmm. Donc en titre, c'est Jean-Victor Généus à l'ONU pour l'examen par le Conseil de sécurité du projet de résolution autorisant la mission d'appui à la PNH. Donc ça un peu le monde peut-être t'as espéré, donc peut-être que décision va prendre en faveur Haïti. D'après Juno 7, ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus déjà trouvé dans l'ONU côté que il va participer ou du moins il va suivre examen conseil là va le faire sous projet résolution ça nous songe qui gagne en tête les États-Unis avec Équateur. Ouais. Donc d'après toute information que et médias en ligne ça a rapporté, donc gagne possibilité vraiment pour gouvernement actuel là ta joindre ça t'a demandé depuis tant de date là qui c'est force multinationale là. Donc Jean-Victor Généus déjà quitté pays hein, et il y a pas bail date là exactement. Donc après rencontre nous songe qui était pour faire à plusieurs reprises pour prendre des décisions ont été repoussées là. Eh bien dernière information ont rapporté que déjà le ministre affaires étrangères là li l'autre bord de l'eau et 24 heures après et quelques rencontres qui étaient faites et t'ai gagné binu t'ai gagné des autres groupes tout. Donc et au commissaire des Nations Unies des droits de l'homme Volker Türk t'est lui-même lancé un appel en faveur et mission multinationale là. Donc c'est vraiment toute instance qui a lancé des appels et déjà puisque Jean-Victor Généus à l'ONU, donc en pile monde a espéré ou du moins était positif en ça qui gain pour avec décision qui t'a dû prendre non quelques heures ou bien quelques jours, mais m'a pensé que l'a vraiment trop long. Ah oui, bon, il y a un grand cœur en pile monde qui sautait parce que yo apprendre bon information fait qu'on est que si force la venir c'est commencement 2024. Vous savez? Ah mais bien sûr, moi ça moi information hein, qui a circulé. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire nous là pour l'autre année. De chancelier kenyan qui allait parler dans ce sens ça et qui semblait c'est janvier 2024. Et entre-temps, Kenya a pas appris à parler français. Donc, on vient d'apprendre sur le terrain, là, parce que... Bon, et, sauf que ce n'est pas au même cap déterminé, ce n'est pas au même cap déterminé, protocole, procédure, tout ça. Ouais, ça, alors, c'est une... Immédiatement, il y a fini voter. Il y a déjà dit qu'il est prêt, il est disponible pour qu'il s'allouche. Bon, peut-être que ça doit prendre le temps que ça doit prendre. C'est ça, oui, peut-être. En tout cas, et nous pourrons entrer en octobre, et novembre, décembre, donc après, non, 3 mois, pour faire ça préparer pour l'entrée. Trois mois, mais c'est ça tout mon âme dit d'avoir regardé et en plus mon dégât espéré là au moins octobre novembre force la venir puis décembre n'a pas les n'abîmes non parce que oui effectivement dans quel sens c'est parce que nous connaissons l'habitude avec force internationale sur ce sol là et depuis leur entrée comment c'est qu'on détend sans provoquer aucune opération oui, tout présence seulement tout calmer les ardeurs même présent surtout immédiatement gain un communiqué officiel qui sorti qui dit mais qui l'est y a plat tout le monde a replié quatre et dans niveau ça ne peut pas force là alors l'aime dit nous c'est pas nous inclusif non balance nous ça c'est nèg qui gain zami légal dans même et donc deuxièmement et c'est pour qui ça Équateur pas non est-ce que Équateur répond comme pays qui bail soldats et policiers non pas quoi non gagne balance alors que vous dites ça bon peut-être bizarrement on comprend États-Unis pour ce rapport
problème tout la caillou y a géré même même Jean Brésil te dit non au premier temps il gagne des dossiers que l'a géré la caillou donc il est obligé rester plus focus au lieu que il y a prendre tête et force multinationale là. OK OK donc ça c'est très bien même pas jouer pas tenir que Équateur dit la voyer soit soldats soit des policiers spécialisés ça a été attiré attention me dit qu'elle faut me garder ou faut me poser question pour demander est-ce que et l'Équateur pas capable aider nous dans ça puisque bon expertise déjà dans niveau 1. Donc ça bon, alors jusqu'à présent le bonheur bonheur parce que c'est au fur et à mesure gain des pays qui tout capitaine et vote et Nations Unies pour porter et volontaire gain tout capitaine pour capable dire qui ça il y a bail comme et comme soutien à mission hein. Oui. Donc jusqu'à présent capable dire que le bonheur dans sens ça Marcus Cola puisque ou même faut que soit dit la gain ou alors gain oui. Des informations qui t'arrive faut quoi que force tant à supposer rentrer dans pays hein, ou bien peut-être rentrer commencement année 2024 là. Okay. Ça c'est un petit genre frustrant pour monde qui dans la rue toujours. En tout cas, restez patient parce que ministre des Affaires étrangères là Jean-Victor Généus déjà les mêmes dans l'ONU pour le temps et décision cap gain pour bra. Et deuxième point. On a continué Marcus Cola, nous parlons avec le nouveliste Béjean qui là nous parlons un sujet qui a rapport avec la justice et donc le nouveliste en titre c'est corruption, un ministre, l'ex-directrice de la CAS et quatre autres personnes mises en cause par le juge Morin. Donc après quelques mois, donc il y a des autres rebondissements dans dossier qui a rapport avec corruption qui t'a fait dans la caisse d'assistance sociale là. Nous rappelons que madame Edwin Tonton, lui-même il est quatre murailles déjà et d'après juge instruction Jean-Wilner Morin, il kebe charge contre six autres monde qui fait partie de scandale corruption ça qui dans CAS là. Parmi eux, il y a actuel ministre des Affaires sociales et du travail Pierre Audnerico. Il y a un ex-ministre et CASA et une tonton qui déjà des quatre mirages tout dit tout à l'heure, il y a Yves Rose Alcide, il y a Pierre Richard Vallès, il y a Franz Edriss, il y a Joanne Fanor, tout le monde ça doit aller devant le tribunal criminel pour être capable de juger sans assistant jury. Et d'après et toujours juge instruction dossier a déjà transmis dans parquet et le commissaire du gouvernement lui-même déjà dit que li joine dossier a donc li déjà et disons dit que li gagne dossier en mail donc nous rete pour nous suivre qui ça et suite information yo ba ou bien qui ça suite et dossier ça a pied bon effectivement fon retenir suite là parce que là moi ouais réaction sur réseau et c'est ça m'inviter toujours inviter mon dirigeant politique yo et dirigeant organisation politique et les tenants de ce gouvernement, bon gouvernement autour depuis le nous entrer dans l'ère numérique là, je pensais que yo trop négligé feedback réaction moun yo en bas post yo qui fait yo information qu'a véhiculé yo au moins ça t'a ba une idée de qui gens yo gouvernement qui gens action gouvernement qui parce et voilà c'est une ampli gros critique que me gagne pour et gouvernement yo notamment gouvernement ça côté qui réagit en pile sur réseaux sociaux qui communique en pile mais yo pas j'ai l'impression pas prêté attention à feedback qui a venir ça son problème et justement sur ça n'a pas lié là ou senti que décision ça alors ordonnance qui rend là grand pile monde qui sait pas dans domaine droit mais qui gens ont interprété. Ils ont dit oui, ah, juge Morin l'a frappé, juge Morin son bon juge pour nous protéger, il faut population protéger. Donc là, on dit, là, plusieurs mounes ont dit faut population protéger. C'est comme si gouvernement pas qu'à protéger, l'État pas qu'à protéger. Et c'est comme si Mdadou, l'État, depuis quelque temps, pas qu'à protéger des juges qui ont fait du travail. Nous sommes les derniers attaques que le juge a été subi là, sur le frère. Nous t'ai songé ça. Donc et lui même tout, il était fait peur de peut-être la ville qui peut être en danger. Donc gagner dossier depuis au choisissement dans pays d'Haïti ou vient tourner des cibles. Donc j'aimerais dire là, donc population senti ça bien malheureusement pour gouvernement ça, il pas prend en compte sa population lui-même, il bail sur réseau ou du moins tout, il parler dans la presse etc. Donc c'est ça en gros qui était gagné dans dossier ça, donc rester pour kounya là pour et l'autre monde qui en charge de dossier ça ou même fait suite yo. Donc on continue moi qu'est-ce que là, nous parler avec Gazette Haïti qui gagne un titre le parlement central américain soutient Luis Abinader.
Donc c'est pas sans c'est pas comme on dit ça là non. Donc en plus moi j'étais attendu avec ça, en plus moi j'étais attendu avec ça. Donc hier Gazette écrit sous sujet ça, il y a parlement centra-américain par la scène, yo même qui a adopté une résolution côté yo même yo campé des République dominicaine après te fin gen ti bouche l'ouvri entre Haïti avec les pays voisins sous question canal ou du moins construction canal ça qu'a fait sous rivière massacre là. Donc gagné Jean-Tolbert Alexis, ancien député lui-même qui va mettre dans la bouche li sur Twitter lui-même qui répond qui fait comprendre que Haïti a droit pour lui revendiquer et pour lui utiliser tout ressources binationales là. Et n'a rappelé tout gagné et plusieurs autres groupes qui portaient support avec la République dominicaine. Donc il y en a d'ailleurs que en pile monde peut-être pas de penser c'est pas la scène parce que la donne gagné plusieurs pays et dans zone n'am capable dire comme ça gagné Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama et n'a pas la scène n'a souligné que Haïti pas fait partie de groupe ça. C'est un groupe qui existait depuis 1991. OK. Et malheureusement Haïti pas fait partie la donne et donc gagné tout pays ça yo dans zone qui campait des en groupe alors que ou même ou pour contre donc il veut dire ça veut dire donc parce que faut que le gouvernement ou du moins c'est non, ça cherche d'intérêt. C'est politique qu'a fait, nous pas qu'à parler, nous pas qu'à faire jugement moral, vous nous dites c'est bon, c'est pas bon, c'est une question d'intérêt. Si vous jouez plus intérêt dans Abinader, c'est normal que vous positionnez aux côtés d'Abinader, lui, Abinader président. Et j'ai expliqué là, où est que gagne des côtés, vous liez, pratiquement. Donc c'est normal. C'est pas dit que c'est bon, c'est pas bon. C'est une question d'intérêt, on est sur un terrain très politique. Alors pour prendre décision, parce que là, vous parlez tout de instabilité. Politique qui gagne en Haïti, il y a parlé tout le fait que nous et violé traité qui signé. Donc c'est ça vous poussez bon, pas mais là encore si on parle de traité que nous violé, nous parlons sur un terrain juridique du tout et parce que traité là et il a fait lecture de lui, mais là on parle de instabilité collé avec traité là, ça veut dire c'est en considération politique qu'il a fait. Exactement. C'est politique qu'a fait, donc qui comprend très très bien, c'est politique qu'a fait. Alors c'est ça bon. Kounya là c'est qui vis-à-vis c'est gouvernement qui pour paraître et défendre l'intérêt Haïti dans niveau ça tout parce que quand même bon narratif qui pour construire en face à Dominique a construit c'est qui gouvernement tout pas oublier que hier n'a parlé là gouvernement dominicain a dit que il y a pas de problème pour chita pour dialoguer pour essayer résoudre problème non mais il y a pas de problème de légitimité pas gain monde qui gain contrôle territoire donc c'est comme si il y a pas avec qui est-ce pour chita pour parler pour traiter dossier ça donc le fait qu'il y a braillé des groupes des monde derrière yo donc il y a pas plus poids par rapport avec et nous mêmes bon, déjà dans Jean travail a commencé à te montrer que gon problème de d'autorité. Problème l'état d'autorité parce que c'est moun prend initiative pour faire maintenant et dominicain yo pas seulement en renseignement yo qui là mais yo capable observer yo ouais déconnexion qui là entre et la population et l'état. Population prend devant population zone et puis il dit l'a fait et quel que soit ça l'état dit c'est ça pour nous comprendre. Il a continué à faire travail là. Et malgré l'État parlé, l'État pas agi tout. Faut qu'on souligne. Oui, parce que l'État qui était citoyen engagé. Jusqu'à présent, malgré tes discours dans la tribune des Nations Unies, pas aucun accompagnement de côté l'État pour continuer avec question et canal là. Donc parce que c'est tout ça qui mettait nous peut-être en faiblesse par rapport avec la République dominicaine. Donc pour nous finir, Marcus Kola, nous parler avec Altea Press, Béjan. Qui lui-même a parlé de journée hier là qui c'est journée internationale droit à l'avortement. Ouais. Et dans article ça Altea Press lui-même lui t'est parlé avec SOFA qui c'est organisation féministe solidarité femmes haïtiennes. Et dans t'y parlé ça que t'es fait avec organisation féministe ça et SOFA rappelé que il y a 529 femmes qui mourent pour au moins 1000 monde qui alors 1000 petits monde qui fait. Donc en pile là d'ailleurs c'est par rapport avec des complications avortement dans mauvaises conditions. Donc et sauf à mandé pour société à camper avec question hypocrisie hein, sur dossier qui gère rapport avec dépénalisation avortement. Je fais connait que l'État doit assumer responsabilité dans éduquer jeunes femmes, jeunes garçons tout qui ont même en droit pour procréer ou du moins pour gagner des relations sexuelles en façon pour capable protéger corps mais protéger droit et tout. Exactement. Et Sofa encore plus devant parler de zones que nous y a. Donc pour Sofa Haïti ou du moins par rapport avec chiffres que il prend dans le ministère de santé publique, Haïti c'est côté qui gagne plus taux de mortalité maternelle
Donc, ouais. Il parlait tout de quelques pays dans l'Amérique latine, non, par rapport à Cuba. Il fait comprendre que Cuba a 20 à 30 mamans qui décédaient, Costa Rica 30, et qui mourent dans la question avortement. Alors, dans la question fait immune, disons, il y a Nicaragua 82, Guadeloupe 153. Donc, dans le moment, il a accouché. Donc, d'après SOFA, donc tout pays ça qui entoure Haïti a gagné en pile chiffre, mais Haïti était côté que au seul côté que l'État n'a pas vraiment et protéger maman et puis protéger façon avortement à fait. Donc c'est pour raison ça yo mandé et puis pas bien tout hier tu gagné des moches et des organisations qui des sorties par exemple des Marron, tu gagné Sofa, tu gagné Marie-Jeanne. Donc tout presque aller dans même ligne là qui c'est dépénaliser avortement et puis mandé l'État vraiment accompagner ou bien travailler sur des politiques publiques pour aider yo gérer question ça et dans société. Bon, si on parle de dépénalisation, ça veut dire que avortement pas légal. Oui, il pas légal. Ça veut dire que avortement pas légal et ça veut dire que nous même tout gon gens gon acceptation sociale tout la donne. Il faut accepter que mon nan li même fille ou bien femme nan ou bien dame nan li gen li ka dispose le genre de col. Li met col parce que et moi le dit en créole et assez cru que c'est fille qui c'est monde qui gagne matrice qui vous parler de avortement. Bien sûr. Bon, naturellement. Bon, nous comprenons ça et bon même pas que me dit ça hier, même pas que j'étais à niveau ça toujours. Pas même qu'on regarde sur ça. Et bon, heureusement, il y a des veilles qui ont fait. Heureusement, il y a des monde qui vigilant, heureusement, il y a des avant-gardistes tout et qui bataille pour question droit femme là, c'est dans tout niveau, il respecté. Mm-hmm. Même droit pour disposer de col, droit pour et choisi qui leur l'a bien ti monde tout qui leur pas bien qui leur l'a bien même si ça tout li, même n'a pas des débats qu'a fait yo me vient réaliser que pour arriver là tout faut continuer faire débat tout parce que il y a des dimensions même philosophiques tout et dans rapport femme et garçon dans le devenir de la population tout ça doit prendre en compte dans débat qu'a fait yo. Bon, là c'est une question très juridique, c'est une question de droit. Et nous pourrons aller suivre à qui côté ça a privé finalement. Bien sûr, on a suivi. Ok, merci infiniment, Charline, et pour revue de l'actualité, ça média dit, son média de qui ça vous parle exactement. Mais nous pourrons continuer à suivre dans quel sens l'actualité a même là évolué. Nous pouvons marquer en courte pause et puis nous pourrons entrer avec et inviter nous qui déjà présent, qui installé lui et qui pourrons nous pourrons parler de droit, de justice. Nous allons parler du métier d'avocat. Et nous allons parler du système judiciaire, parce qu'il y a une pile réserve par rapport à monde qui est dans le système judiciaire. Là, il y a un regard tout par rapport aux juges, par rapport aux avocats, par rapport à si oui ou non, il y a des avancées qui ont fait dans le niveau ça. Et pour nous garder, effectivement, font, et nous avons dit en sorte d'état des lieux de ce système.
texte de loi et qui a fixé une ligne de réflexion. Et si, bon, forcément, nous allons négociation, sans doute, jeudi, demain, après-demain, nous allons entrer dans négociation. Mais il faut nous argumenter documentation ça, et il a sorti un grain de côté, il n'a pas sorti seulement dans le cabinet ou ministre, ou un premier ministre éventuellement. Oui. D'accord? Donc, il n'a pas sorti là, il n'est pas fait pour sortir là seulement. Il faut qu'il fasse appel à des spécialistes, même au niveau international. D'accord? Il y a des gens qui, là, bon, naturellement, ils vont rentrer là-dedans. Et avant longtemps, ben, peut-être, il faut répondre. Maintenant, haut, si vous me permettez, M. Lissad, question que je vais poser très simple, parce que nous avons une ambiance très détente du tout. Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas lire, peut-être un grand avocat, par exemple, parce que là, on a regardé avocat, il y a un peu de monde qui voit comme activité purement intellectuelle, et il y a toujours avocat comme monde qui dit plus bon vocabulaire, comme monde des grands orateurs, et peut-être ça qu'on fait un peu de différence tout, non, et procès, par exemple, pour essayer de convaincre les juges. Est-ce que au monde qui pas lit tout le temps capable on voit avocat? Oui, en fait, on a pas lui fait souvent les âmes, bien content qu'on recentre lui. Et alors, c'était pour me dire que l'espace d'étude, son espace de réflexion, d'accord, donc, il conduit forcément en discipline. C'est vrai. Sous par exemple, lit pas avocat. Et c'est même balato. Un médecin qui suspend lit pas qu'un médecin, puisque le médecin a évolué. D'accord, il y a un paquet, il y a un nouveau outil, il y a un nouveau médicament, il y a un nouveau traitement, il a évolué. Donc, ça veut dire que si on choisit de faire des modes métiers comme ça, même un ingénieur, parce qu'il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouvelles techniques de construction. Donc, ça veut dire que l'entrée dans le SAO est obligé à jour. Et avocat en particulier, puisque ça exigeait, comme d'accord, nous n'avons pas de spécialité, puisque manquer avocat, on a parlé de ça tout à l'heure, bien puisque non pays pas d'avocat du tout dans le pays, pas gain. Ah, c'est... Au point de vue quantitatif, on va parler. Ok, on a parlé de ça et tout à l'heure. Donc, oui, ça m'a dit que obligé de gagner une connaissance très large sous un pile sujet. Oui. D'accord? Puisque, en réalité, on vient d'avoir un simple divorce. D'accord? Oui. Il n'est pas simplement à le plaider, dit que des gens ne pas entendre. Il y a des enjeux importants dans le divorce. Il y a un problème de timon, il y a un problème de partage, il y a un problème d'incidence, il y a un problème psychologique, il y a un comportement, il y a un droit de la famille, il y a un paquet de bails qui rentrent là-dedans en jeu. Donc, ça m'a dit, oui, quand tu as texte de loi, tu es obligé de connaître. Oui. D'accord? Et ma, c'est basique, ça. Non, ça, c'est basique, c'est classique. Oui. D'accord? Donc, naturellement, au cas peut-être plus calé dans le domaine, il y a des gens qui sont plus forts dans le domaine pénal, qui défendent le monde, dans la liberté individuelle, mais il y a des gens qui sont peut-être plus concerné dans affaire droit civil, dans relation civile avec monde. Donc ça veut dire que ma bon exemple, c'est son jeune de mettre Trouillot comme professeur, il te dit non, premier bail pour nous faire acheter un code civil. Mettez le bon tête. Alors faut gagner deux codes civils. Oui. Ou gagner une dans cabinet et pour gagner une bon tête. Lis un article chaque soir avant fin avant dormir, l'autre fin lui recommencer. Donc ça veut dire qu'on pas jamais suspendre le code là. Oui. D'accord, parce que il y a des bails qui fait chapeau. Donc oui, c'est vrai, et m'appuyer pour une volant, ça m'a aidé en pile connaissance et en passion de la lecture. D'accord? C'est pas simplement lire des romans et pour faire belle histoire, faire poésie, mais faut lire... Ça m'a aidé dans le métier d'avocat, même d'abord tout, bien... Et... Parce qu'il y a un peu de monde qui fait la différence entre avocat, c'est pas... Je dis avocat, c'est des gens qui ont vocabulaire, et il y a des gens qui veulent faire lien entre vocabulaire et capacité pour réussir. Parce que apparemment, il y a des moments dans le procès, yo, côté ça qu'on fait différence, c'est comme si le vocabulaire, les bails, on avance en termes de champ qu'on a exploré, en termes de capacité en plus. Est-ce qu'on pas vivre ça, ou même comme avocat, le par exemple, non procès? Alors, il a toujours dit ça, si nous songeons l'école, il a toujours dit tout ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement. Okay. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on maîtrise les grandes règles de droit, yo, et qu'on a assez de connaissances pour argumenter un point de vue. Puisque, en réalité, et l'organe de représenter la justice, là, son fille qui a un yeux bandés, qui a un balance dans la main avec un glaive. Mais balance, là, c'est preuve qu'on mette dans la balance là, qui fait le pencher dans le sens à l'autre. Or, preuve, là, il faut argumenter. C'est pas simplement dit que à Intel, mais il faut argumenter. Il faut venir avec des textes, en pile évidence. Oui. Et puis maintenant, et facilité le langage là tout. Exactement. Il est important. Ça veut dire que la force de pouvoir convaincre par la parole, la force de pouvoir allier le geste à la parole, l'image d'un petit cinéma tout des fois. Oui. Tu sais, alors on dit plus un théâtre des fois, tu sais, parce qu'il y a les mouvements de manches, de positions, mais sans être vulgaire.
D'accord, parce qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas vulgarité qui va le convaincre le juge là. Ça quand même conduit à outrage même. Voilà, donc ça veut dire qu'avec un comportement là, mais vini avec des barrières qui résonnaient et qui basaient sous des textes de loi. Et même ça m'a dit un exemple, une connaissance de droit, comparer tout pour qu'on peut-être faire appel à une documentation et qui permet tout. Et que, mais qui j'en s'était passé dans telle situation, bien que ce n'est pas peut-être ça qui va le convaincre le juge, mais c'est des exemples qui agissent sous réflexion, juge-là, véritablement. Mm-hmm. Parce qu'on doit appeler des 3 jours et pour pas dans rien, sérieux. Exactement. D'accord? Et contrairement, il y a des gens qui plaident 10 minutes et puis le convainc au juge. Mm-hmm. Mais essentiellement, c'est vrai, ça m'a dit un pile connaissance et un pile et passion pour l'étude de manière très générale. Hein. Ouais. D'accord? Ça veut dire que ça m'a dit qu'au minimum de connaissances dans presque tout domaine. Puisqu'au pas, je me connais. Bon, parce que l'adversaire en face aura tout aussi brillant tout. D'accord? Donc, ça veut dire que l'abvini avec des argumentaires, que c'est un plaidé ou le découvrir. Bon, naturellement, on prie à l'abvini d'échange d'écriture, mais lui-même tout, l'abvini avec document, donc il faut qu'il réponde ni, il faut qu'il réplique. Moi-même, je sais qu'il travaille, et avocat, pas trop différent, le travail journaliste à tout, en termes de. Lecture qu'on a pour faire, comme s'il faut qu'on vue générale sur plusieurs domaines. En tout cas, nous parlons d'une actualité Baroua, jeudi à vendredi 29 septembre 2023. Et effectivement, il y a une assemblée générale qui a tenu et pour voir une série de postes pour nous venir avec un autre bâtonnier ou bâtonnière. Et est-ce que bah, on est, bon, bah, ça comme actualité, est-ce que il y a des candidats et femmes pour l'instant? Dommage, non, bah, il faut ça. Quatre candidats, mais c'est 4 oui. Avocats. Avocat. Alors, moi, j'ai 2 candidats que je particulièrement suivent déjà. Et M. Patrick Pierre-Louis, qui travaille avec des sociologues que je connais très bien, et puis M. Patrick Laurent. Donc, ça veut dire que au moins, je connais 2. Maintenant, est-ce que, bien avant ça, tout se passe bien au niveau du barreau? Est-ce que son espace est serein? Est-ce que tout a fonctionné? Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a garanti ça? Et en ce qui concerne moi-même, c'est-à-dire Barreau Port-au-Prince, oui, c'est une structure qui a bien organisé, d'une part, mais surtout par le fait que l'irrégie par une loi. Bien sûr. D'accord, donc ça veut dire que y a une loi qui est de 29 mars 1979 qui régit existence. Alors, les créer, ça veut dire l'ordre des avocats. Bien sûr. Bon, l'ordre des avocats, c'est une formulation, c'est une association. Exactement. Mais c'est un ordre parce que les gérer des professions. Même si on a un ordre des maçons, un ordre des charpentes, un ordre de toute qualité, oui. Donc il y a l'ordre des avocats. Alors, où gagne un ordre? Alors, ordre lui-même, c'est lui-même qui gère l'activité avocat. Donc, il faut regrouper sous forme de barreau. Il y a un bâtonnier et puis il gagne un. Et des conseillers. Mais il faut retenir tout que vous gagnez un barreau par juridiction de tribunal civil. Donc ça veut dire qu'on nous dit actuellement, dans l'état système, vous gagnez 18, un petit peu pas. Tout pas organisé, même gens. Tout pas gagné même discipline, tout pas gagné même rigueur. Là. Et tout pas gagné même quantité d'avocats. Vous gagnez des barreaux qui doivent être une dizaine d'avocats ou peut-être un peu moins. Donc ça veut dire que l'organisation est moins sévère. Mais pour Port-au-Prince, les très bien organisés, d'accord, d'une part, et les très bien structurés. Et généralement, c'est des mondes qui gagnent un pile sens de la responsabilité. Puisque, pas oublier que ce n'est pas un poste qui est rémunéré. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas payé au bout de ça. Donc, c'est simplement c'est la bonne foi, la bonne volonté et la détermination de protéger métier à tout. Parce que le rôle principal, c'est assurer de discipline avocat. C'est un organe de discipline. D'accord? Donc, l'IGE doit décider parce que la loi dit que l'y met tableau avocat. Oui. Ça veut dire que, ou pas quand il paraît, il vous dit, ma avocat, mon diplôme, et puis ma rentrée là. Non, il n'y a pas passé comme ça. Donc, ça veut dire que l'IGE a un règlement qui fixe les conditions qu'a fait avocat et qui gère un code d'éthique, qui gère pour comporter parce que les clients doivent porter plainte, mais si c'était sous ça à tout, d'accord? Si les clients sentent que les maltraités, ils prennent l'argent, les dossiers, tout ça le cas qui est arrivé, non, parce que pas bien, c'est des relations humaines, et puis il y a un couple dans le temps. Parce que vous connaissez fondamentalement, avocat, il y a 2 responsabilités majeures. C'est défendre la liberté des gens et défendre la fortune des gens. Ce sont les biens les plus précieux qu'on ait humains qu'a gagné. Donc, ça veut dire que c'est source un pile conflit en termes de liberté et d'argent, de succession, de fortune, de l'argent, la banque, de bonne bagaille. Donc, avocat,
et m'pa ka garanti moralité ou avocat. Tout le monde pas même et tout le monde pas même éducation, tout le monde pas même et besoin non plus. Donc l'on senti que avocat a comporté le mal mal dans dossier ou fait pour aller devant ordre des avocats baouan et déposer plainte comme avocat. Et me garantis, m'a besoin citer exemple ou peut-être en tant que journaliste ou peut-être plein en poche ou exemple que grand pile avocat que jugé radié puis prend sanction contre yo pour des comportements déloyal vis-à-vis de client. Sanction concrètement, qui ça le cas? Li aller dans simple bon, on nous dit que peut-être on nous dit que ou touche un coblo ayo pas remettre li. Yo ka exige restituer coblo, mais tant que se permettre remettre li. Est-ce qu'on empêcher l'exercer non? Oui, yo ka radier le comme avocat. Et on a eu beaucoup de cas. Naturellement, on connaît que n'a vivre dans système côté gagner voie de recours parce que toute convention internationale l'a toujours dit que dans n'importe quelle situation, faut yo ka juge deux fois. Donc, naturellement, avocat a une possibilité qu'on recours libéral devant cour de cassation et reposer problème. D'accord? Mais, grand pile cas côté que, Bao Port-au-Prince, c'est certainement peut-être des Bao et des autres villes de province, ils ont radié des avocats et ils arrivent dans cour de cassation, ils ont maintenu une décision et ils n'ont plus la capacité d'exercer, pas seulement dans côté lien, mais dans aucun Bao à travers le pays. Alors, même si vous avec un peu d'attention, on parlait de. Alors, surtout de Barreau Port-au-Prince, qui a un peu l'éthique, etc. Nous plus ou moins plus organisés et par rapport avec des autres Barreau, nous plus structurés et tout. Et alors, moi, même question, c'est. Et nous connaissons dans les circonstances et mettez Suzy le gros te prend et tête Barreau. Et nous connaissons tout, te gagné ensemble avec lui et secrétaire là, Robinson, Pierre-Louis, je crois. Donc est-ce que et le fait que yo te vin et pointé du doigt maître Robinson Pierre-Louis, est-ce que pas porter yon entachement pour Barreau Port-au-Prince, est-ce que ça pas gagner des impacts sur nous tout le moment, est-ce pas affecter fonctionnement Barreau? Non, il n'est pas fonctionné en fait, mais il a affecté au point de vue moral. Moral. D'accord, parce que pas bien, c'était secrétaire général Barreau Ali. Alors, les bon qu'on soulevé question ça et m'a peut-être font point sur ça, d'accord? Le fait que on dans Barreau ou bien dans monde que on va voter, ça pas mettre à l'abri d'aucune poursuite. Non. Ça veut dire que second comportement malhonnête et que reconnaître qu'il est en violation de la loi, il y a pas qu'à faire rien pour même bâtonner en lui-même. Oui. D'accord, donc pas ça veut dire... Non, il n'est pas bon immunité du tout parce que pas oublier que son poste fond est essentiellement moral que lié. Ça veut dire que il faut que tout avocat va gagner l'élection là tout à l'heure dans quelques heures. Monde qui va voter pour eux, faut yo ka wè nan un modèle ou exemple pour suivre. Ça veut dire que en par exemple, regardez ça qui passé Jacques Mel l'autre jour. D'accord, donc ça veut dire que bâtonnier tombé dans affaire de volette, il a arrêté le monde tiré et cetera. Donc ça veut dire que li pas forcément garanti que moun nan là, d'accord, mais c'est même gens tout si ça arrivait et que gien des poursuites pour faire contre même sous en dans Barreau, il y a poursuite. Il y a pas qu'à voter jour. Barreau pas qu'à empêcher que poursuivre vous quoi en dans Barreau à côté dehors Barreau et nous en pile cas côté gien des avocats et ça arrivait même pour juge tout. D'accord, si jugeons mais commissaire gouvernement qui gien des comportements déloyal, bon pas oublier que son fonctionnaire lié donc on procédure pour poursuivre un fonctionnaire, donc il y a pas ni continuer. Donc ça pas protéger au contraire. Parce que en jeu en pile, bral gon élection tout à l'heure, d'accord? Et tant coup pour quelques éléments que nous soulevons là, donc ça veut dire que même choix que nous bral fait, il faut assurer pas seulement de moun nan, mais de toute équipe là, d'accord? Parce que kagon nan panier orange nan kagon gagne pourri, d'accord? Donc ça veut dire que faut assurer que tout sac là dedans yo que c'est des moun qui droit qui honnête parce que yo pas touché pour ça faire. Alors c'est seulement critère ça pour moun la porter comme candidat et pour capable bâtonner. Mais fondamentalement bon, la loi dit que faut avoir au moins 5 ans de profession. 5 ans pendant 5 ans ou ka gétan découvrir au monde. D'accord? Bon, c'est sûr, oui, il y a un côté m'insister sur côté moral là tout, mais faut que moun nan ka une référence tout. Donc ça veut dire pas oublier parce qu'il y a appelé à représenter Barreau dans des conférences internationales. Faut moun nan ge capacité pour l'intervenir. Faut gen une certaine maîtrise de droit en général, de droit local là, de droit interne, mais aussi que son monde qui est assez représentatif et qui fait honneur groupe avocat qui choisit. Donc ça c'est des éléments qui importent. Bon. Oui, c'est élection, il y a un pile discours, d'accord, il y a des discours, des programmes qui extrêmement ambitieux. Dans un petit espace qui si petit et pour un petit temps parce que c'est pour 2 ans, nous veut en pile. D'accord, mais n'empêche que yo même tout yo ta remet, ouais, non seulement que Barreau
rete ferme, rete solide, puisque faut en éviter dissension tout, parce que y a un conflit énorme avec des avocats qui a essayé inscrit Port-au-Prince et qui n'a pas réussi, calé, parce que on est avocat pour la République, oui. Même si on a appartenu en bas, ça va venir parce que Port-au-Prince n'a pas plaidé au caille, ça qui arrive. Mais le plus souvent, avocat qui échoue dans Barreau passe examen parce que Barreau de Port-au-Prince ont l'école de formation. C'est-à-dire que c'est pas simplement stage que la loi a monté, il y a une formation qui fait. Après formation, il doit pas réussir examen parce que gros examen qu'on passe. Mais par contre, si le même jeune dans tout Barreau, même supposé que en pile là-dedans, il y a à peu près même pratique là. Donc ça il fait, il y a un gicoyo, il y a l'inscrit dans l'autre Barreau. Et puis après ça, il y a des transferts pour tourner Port-au-Prince. Donc ça veut dire que gagner des frictions comme ça que Bawa obligé de gérer et fort informer tout sous un pile avocat qui a entré, puisque je ne peux pas empêcher un nègre qui est sous le port de terre de demander inscrit élu domicile pour le prince. Donc il faut nous assurer que lui-même. Je pense que c'est l'actualité Bawa, pour ne pas gagner l'élection, mais au moins qu'on ait deux candidats. Combien de candidats en passant? Quatre candidats. Mais il y a deux là-dedans que moi personnellement et connais. Bon, bien sûr, il y a deux équipes actives sur les réseaux sociaux. Avec M. Laurent. M. Laurent. Ok. Et. Dans le système judiciaire, il faut qu'on s'y entre là-dedans. Oui. C'est qui ça qui est le plus gros mal là? Est-ce que le mal est du côté des avocats? Est-ce qu'il est du côté des juges? Est-ce qu'il est du côté des tribunaux? Et qui côté lié? Parce que souvent, il y a une observation qui a fait sous, dans le domaine ça, système judiciaire. Là, il y a quelqu'un qui dit, quel système? Pour qui ça? Et on est capable, nous, à accepter qu'on nous dit, bon, système n'a pas marché ou bien système n'a pas quoi là-dedans. Pour qui ça, toute méfiance ça? Pour qui ça? Jugement souvent très acerbe par rapport à système. Donc, qui côté mal là? Bon, d'abord, ou gagne un système de manière générale, mm-hmm. pas au prince en particulier, parce que l'autre juridiction fonctionne, c'est Port-au-Prince. Quand oui. marché, on j'en boité, d'accord, on j'en mis au mi-bas. Oui. Fondamentalement, justice sans pas gain. Alors, nous toujours, nous répétons ça, parole en bas de moi, non, mais, parce que, par contre, côté me prenne, même, je suis que c'est pas moi qui inventé. Un pays a la justice de ses moyens. D'accord? Lorsqu'il y a un système qui est aussi pauvre, parce qu'il n'y a pas représenté quasiment rien dans le budget du pays, mm-hmm. ça veut dire que l'État, dans la politique publique, l'État, pas un investissement conséquent à l'intérieur du système non, pour permettre de fonctionner. Ça veut dire qu'ils vivent de organisations internationales, qui ont un TICOV, un petit tribunal, un petit mm-hmm. Donc, ce n'est pas ça qui a résolu le problème. Là. Bon, Port-au-Prince en particulier, juste Jodian, ça fait depuis tremblement de terre, depuis 2010, mm-hmm. à Jodian, ça fait nous combien 13 ans, d'accord, pas grand espace. Le gouvernement américain était prêté à un côté sous bicentenaire, qui était USAID, avec tous les inconforts de l'espace, je ne l'ai pas fait pour ça, d'accord, donc qui fait, et c'est une. Donc, ça veut dire que on vit une promiscuité, on mélange, d'accord? Mm-hmm. Et regardez ce qui passe, ils ont affaire, et là, pillé espace en bas, paquet de dossiers perdus. Après tremblement de terre, un paquet de dossiers perdus. Donc, ça veut dire que pas gagné aucune prévision dans une politique publique d'assurer un fonctionnement normal et de renforcer le système judiciaire. Oui. D'accord? Bon, un, mm-hmm. en termes d'espace. Mm-hmm. Maintenant, critique, yo, c'est généralement sous décision, yo. D'accord. Qui reste qui des décisions? C'est juge. Oui, d'accord? Bien sûr. Ok, bon. Un grand peu de critique pour juge. Oui, bon, ça, c'est normal, puisque c'est des œuvres humaines. D'accord? Donc, il y a toujours une critique. Pendant que je viens là, je dois parler d'une ordonnance que vous rendez. Oui, ça, il doit en pile critique. D'accord? Ce n'est pas ça le problème. Non. D'accord? Puisque, en réalité, c'est un monde qui a pris une décision. Il y a un côté subjectif, ou un côté très personnel qui a passé. Bon, bien que le juge l'en fait pour faire effort, pour sentiment personnel, il n'y a pas transpiré. Mais on n'a pas empêcher ça. C'est peut-être ça, il y a des voies de recours, si on pas satisfait, ouais, devant l'autre juridiction. D'accord? Donc, système n'a critiqué le peuple, le public n'a pas gagné confiance, parce que le public n'a pas adressé suffisamment à système. Là. Parce que nous t'as parlé tout à l'heure, aujourd'hui, hein, oui. Si on fait des comptes, aujourd'hui, hein, pays d'Haïti, pas convaincu qu'il y a 5 000 avocats sur tout le territoire, non, parmi toutes 18 juridictions. Donc, comment vous voulez gagner un état de droit lorsque pas gagner des. Parce que avocat fondamentalement, ils sont un défenseur. Oui. D'accord? Donc, si vous ne pas renforcer formation avocat, puisque c'est un dans formation avocat qu'on va le trier juge, ou bien vous êtes juge, ou bien vous êtes commissaire gouvernement, ou bien vous êtes. Je sorti parenthèse, vous pouvez mettre les sables. On va parler de formation, on va parler de. D'avocats en termes quantitatifs en même temps, mm-hmm. alors que et c'est plus qualitativement pour nous regarder, est-ce que ce n'est pas
qualité avocat qui doit primer là beaucoup plus que quantité avocat. Eh bien, justement, l'organe, pour exemple, d'accord, ou pas gagner un pile cabinet d'avocat ou avocat eux-mêmes, même si vous faites des études supplémentaires, c'est-à-dire que vous doit faire et licence là ici là et puis là il font maîtrise que là même font doctorat et avant de doctorat il vient un spécialiste dans un domaine qui concerne d'accord mais spécialisation pas suffit pour faire fonctionner un cabinet donc ça veut dire que l'obligé bon paquet d'activités on entre dans un cabinet d'avocat tout bureau c'est dossier là pas forcément dit que son paquet de bail là régler tout non ça veut dire que l'on pas gain assez avocat ou un seul avocat fait trop. Oui. Ça veut dire que li tout non tout six. Ça veut dire que li tout bagay. Li nan correctionnel, li nan lage moun nan prison, li nan parle nan radio, li nan fait civil, la fait divorce. La mélange tout bagay yo parce que c'est une façon de survivre. Donc maintenant, sou gen plus avocat ou ap gen plus moun spécialisé. An nou pou un cas. Jodi am soti la, m fait bac et puis m font accident, m tombe nan trou nan la rue. D'accord? Machine m écrasé. D'accord? M pa gen pile recours non contre l'État. Qui crée ça, puisque je n'ai pas des cabinets d'avocats qui spécialisent dans ces formes de procès. D'accord? Puisque le domaine d'exercice de métier est extrêmement limité. Parce que vous n'avez pas des monde, par exemple, vous avez un avocat qui spécialise dans l'accident. D'accord? De... Mais et pour les juges, parce que quand pile plaignez pour juger, naturellement, c'est vous qui avez ordonnance. Et déjà, nous songez une déclaration à Paris, Jovenel Moïse. Qui dit, bon, on est nommé 50 juges corrompus. Il a quand même eu à le dire, comme au président, chef de l'État. Et avec tous ces juges-là, bon, naturellement, mais ce n'est pas moi-même qui suis capable d'évaluer pour me dire effectivement est-ce que corrompu ou pas, mais ça vient de mon président. Avec tous ces juges-là dans le système qui était déjà des problèmes, d'abord quantitatif, est-ce que le pas est entaché même, est-ce que le pas loup pour le système? Il y a une cause de certification en tout. Bon, justement, c'est l'âme d'Abraham Rivard. Mm-hmm. Oui. Et bon, moi-même, personnellement, j'ai trouvé que déclaration... Qui allait trop fort. Les pas seulement trop fort, même trouvé que son manque de... pour institution locale, d'accord? Bien donc, je crois que c'est ton manque propos. Voilà, c'est ton propos qui était peut-être extrêmement déplacé. Mm-hmm. C'est peut-être vrai. C'est une chose à discuter avec vos conseillers. D'accord. Maintenant, avant de les nommer, il fallait faire un vetting. Au fin de signer, je dis au plein. Ces mêmes gens, et... bref, n'ont pas besoin d'attarder sur ça. Mais pas oublier que Gagné, ça a les CSPJ qui, là, justement, à l'égal du barreau qui contrôle les fonctionnements avocats, d'accord, ils ont même contrôlé les juges. Oui. D'accord, ils ont un problème de certification, c'est vrai. Et je crois que c'est un bel bagaille, pouvoir insister sur la certification. D'une part, et d'autre part, il faut que les gens comprennent. Si vous sentez que ça juge en pas faire, parce que la loi prévoit ça, oui, ou bien doit peut-être un juge qui va le juger, ou suspecte que juge là, non, ou confiolo, ou récuser juge là. Mm-hmm. D'accord? Même gens, tout juge là, qui doit arriver, et puis, et à un certain moment, il réalise que yon moun nan procès a son petit famille. Oui. D'accord? Donc, lui-même, il doit dire que déporté. Donc, il y a possibilité ça tout. Mais en revanche, d'accord, public là tout, qu'a porté plainte pour ce grand organe qui existait, qui est le CSPJ, ou qu'a porté plainte contre le juge. Mais il faut venir après, oui, c'est pas venir dire que vous dormez ou rêvez, juge l'a fait, non. Il faut dire que maintenant, quelle situation, mais ça. Et troisième élément qui est dans le système, non, c'est le commissaire gouvernement. Ah oui. D'accord. Bon, commissaire gouvernement, tout gagne une confusion souvent. Il faut que le public là comprenne que le commissaire gouvernement, c'est pas un juge lié. Oui. Du tout. Il n'y a pas une décision, il n'y a pas un droit à une décision non plus. Bon, naturellement, il y a des excès au niveau de commissaire du gouvernement, d'accord, qui ont même pris des décisions. Mais juge, commissaire du gouvernement n'a pas pris des décisions. Rien à voir. D'accord? Il y a simplement bail opinion et si tu veux, pouvoir central là sous sujet, parce que lui-même, il n'y a pas fait partie de CSPJ. Oui. Et m'insister que il n'y a pas juge. C'est un fonctionnaire de ministère de la Justice, son employé ministère de la Justice lié. Yo mette là pour l'assurer de bon fonctionnement système nan et appliquer le l'exister bien sûr mais n'a révétiquas le gouvernement pouvoir gagner yon politique judiciaire donc à ce moment-là li gen pour devoir de appliquer politique judiciaire mais tout utilisant la loi parce que c'est lui même qui va requérir peine qui va l'opiner en matière civile en matière commerciale quelque soit matière là. Mais c'est dans la logique que l'État voulait un système qui fonctionnel et qui Jean lit, on nous dit que décider et essayer
favoriser moins, pas favoriser trop divorce. Oui. D'accord? C'est peut-être non politique pour mm-hmm. peut-être permettre que cellule sociale là reste intacte, que société a pas trop dégagné dans l'affaire. Mm-hmm. D'accord? Donc ça veut dire que gagnons définition et gagnons une mission, une feuille de route que au Bali. Pas quoi elle existait mais en moelle. Et super mettre mettre ça et bon pile débat sous et rôle avec fonctionnement commissaire gouvernement yo. Gamon qui dit dans l'idéal pour nous-mêmes haïtiens c'est pas ça de gagner. Je t'ai préféré que l'y agit en procureur de la République. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ça nous vient là comme commissaire du gouvernement et ça qui t'a dans l'idéal pour nous-mêmes un procureur? Bon, attends. Bon, écoute, ou pas qu'on pile procureur, qu'on gagne un procureur. Un procureur. Alors, m'gal jou baye qui est très fort là. Bon, c'est ça nous besoin là, justement. Même jou. Et pendant longtemps, depuis le système n'existait, ça veut dire que depuis 1805, au système judiciaire qui est en place là. Côté au gagnant, il y a un personnage qui est appelé le grand juge. D'accord? Qui remplit une double fonction. D'abord, il remplit le rôle Sac Dalvini des années après ministre de la Justice là. Et il également remplit le rôle Sac Dalvini après président Cour de cassation. Donc, ça veut dire qu'il y a un cheminement. Donc, depuis longtemps, c'est toujours, on nous dit, entre guillemets, ministre Sac Jodi en ministère de la Justice, c'est lui-même qui gérer espace justice là. Li gagne un droit de contrôle tant sur les juges que sur les commissaires du gouvernement. À l'exception des avocats, depuis 1846, ministère a gagné pour l'ouest à 1846 et puis les créé barreau en 1859, li détaché, li pas occupé avocat encore. Mais pendant longtemps. Mais à la minute que ou créé ça relé CSPJ. Donc ou retiré juge là sous l'obédience exécutif là. OK. Comprenez bien la différence qui va le faire. Ça veut dire que nous allons aller de plus en plus vers une séparation des pouvoirs. Donc nous allons entrer dans une logique démocratique que un pouvoir est un pouvoir. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que juge vini dépend de l'autre autorité. Donc ça veut dire que le ministère de la Justice ça va gagner rien pour lui. Donc à ce moment la question pour nous poser tête nous. Une fois que on retire juge en dans ministère de la Justice là, ou retirer juge sous compte ministre de la Justice. Qui est le ministre de la Justice à ce moment-là? Il n'y a presque pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison d'être puisque je fais tout à l'heure que le commissaire gouvernement, c'est des fonctionnaires ministère de la Justice. Okay. Ah oui, bon, par rapport à ça. D'accord, donc ça veut dire que ministre de la Justice, c'est lui-même qui est autorité supérieure de tout commissaire gouvernement. D'accord? Automatiquement, il devient procureur de la République. Même si la loi beaucoup dit. Bien sûr. Donc, si on procureur de la République. De fait. Ça veut dire que je dis, la loi sous organisation ministère de la Justice, faite pour Oueli et redéfinir le rôle ministre de la Justice, qui par Donc, ça veut dire en quelque sorte, même si nous pas réglementé pour nous dire que juridiquement il est allié, mais nous avons tellement amélioré le système là, qui fait que nous avons procureur sans qu'une part dit, c'est ça. Oui, donc à ce moment-là, et ministère de la Justice tout non paquet. Ah. D'accord, donc en tant que paquet kounia, il ca spécialisé. Ça veut dire qu'on a un paquet financier, ou a un paquet pour sécurité, ou mais l'autre paquet puisque en réalité paquet a pas obligé un commissaire gouvernement qui a occupé affaires civiles, affaires pénales. Donc ca gagner des foyers spécialisés en dans paquet yo. D'accord, par exemple, en nous pour exemple. Moi vive en pile cas côté ULCC prépare un paquet de dossiers. D'accord? Et peut-être aujourd'hui, je recevoir directeur ULCC à la Doussa, d'accord? Mais c'est des caisses de dossiers qu'il dépose dans le paquet. Chaque année. Mais il n'y a pas de compétence pour ça. C'est... Pour mener une enquête financière, il faut faire des études pour ça. Ce n'est pas même bagarre là. Donc, ça veut dire que ça passe par le paquet. Bon, les juges, on verra. D'accord? C'est la même chose pour l'UCREF. Ou créer des organes qui, pour lutter contre la corruption, contre le détournement de fonds, blanchiment d'argent, tout ça, toute la littérature autour de la question, ok, mais les bloquer, les vont côté le bloquer. Ça veut dire que manquer compétences. Manquer compétences. Nous tournons sous Sandabia. Ça veut dire que nous manquons monde dans le système. Nan. Donc, ça veut dire que si vraiment nous avons le ministère de la Justice en fonction sérieuse dans le système, il faut nous redéfinir le rôle du ministre de la Justice nan, par rapport à relation avec parquet, d'accord, parquet à pas bon, c'est pas tout parquet qui concerne, mais il y a des parquets côté chef parquet, c'est lui-même qui met système là, il contrôle les juges, il contrôle les... parce que pas oublier, il y a des autres acteurs qui peut-être à un niveau pipiti que nous qu'à parler de lui, ce sont les greffiers et les huissiers, parce que moi en tant qu'avocat aussi
grand avocat que mien, que me soutient en cassation, que me dans tribunal de paix, moi pas cassé un rien là sans un huissier. Oui. Ça veut dire que je ne peux pas porter papier à moi-même. Oui, mais donc, ça veut dire que ici à tout. D'accord? Son nègre qui travaille avec moi, qui l'a avec moi, encore, je fais l'habitude avec monsieur, et puis je fais des marches au niveau de parquet, je fais nommer le greffier. Hein? Il n'a aucune formation. Oui. Le greffier lui-même. Alors, excusez-moi, monsieur greffier, mais ce n'est pas. Monsieur a fait le dire. Il a fait, faut nous comprendre. Oui. Je ne peux pas avoir un greffier quand dans le tribunal. Il ne maîtrise ni la science, ni la langue. Ça l'écrit dans le papier. D'accord. Bon, on perd un procès. Bon, je suppose que les clients comprennent la pardonne moi. D'accord. En 2010, le greffier m'a apporté une décision. Mm-hmm. Eh bien, l'aime prend décision. Papier, parce que son mari qui était appelé à aller à l'étranger, donc compagnie d'assurance. L'aime le jugement. D'accord. Moi, ouais. J'ai retourné, me dit jugement. Excusez-moi, m'a peut-être déplacé. Même je suppose que faut qu'on a discuté avec le greffier, faut nous réécrire jugement. Jugement qui est trop faute, nous pas qu'à vous bailler comme ça aller. Devenir pour moi week-end un tremblement de tête dossier à tout perdu. Bon, nous finalement réalisé. Décapré là toute faute là. Même j'ai trouvé que c'était pas honnête. Oui. Alors si c'est ça me dit, donc c'est pas simplement moi fait de juge, de commissaire du gouvernement. Il faut que l'autre acteur recevoir des formations. C'est vrai si SPJ fait des efforts dans la formation des greffiers, mais faut ne pas oublier bon l'autre élément qui est important. L'huissier est livré à lui-même. C'est l'expérience. D'ailleurs, il connaît écrit des actes. Alors, après, théoriquement, c'est Hussia qui a écrit Akla. Bon, moi, quand tu as avocat, c'est moi qui écrit Akla pour lui. En quelque sorte, tu travailles Hussia pour lui. Bon, voilà. Donc, dit simplement lui-même, dit simplement son commissionnaire. Là, il ne peut pas bien aller. Oui. Et le plus souvent, le terme, il y a des gens qui perdent du procès parce que Hussia a écrit Akla mal. Oui, il n'y a pas bien que. Ça, problème. Donc, il y a tout bas et tout. Et puis maintenant, il y a une affaire fiscale. Par contre, depuis combien d'années? D'accord? Et c'est peut-être même. Par contre, peut-être 15 ans, 20 ans, peut-être davantage, par contre, si m'exagérer, mais c'est peut-être, non, limite ça. Comment comprendre que, jodi, je ne peux pas signifier un papier, quel que soit le papier, l'IA, si je ne pas mettre le thème que la loi dit, pour mettre sous l'IA, sans thème là, avec la nulle. Bien sûr. Et pas de thème dans le pays, depuis plus que 15 ou 15 ans. Il n'y a pas de thème, non? Pas de thème du tout, non? Ça veut dire que, il y a un trafic thème qui a fait dans le système, non? Côté moun qui gen ti feuille de thème depuis des années, il a fait photocopie, tout moun connaît ces photocopies, tout moun connaît que thème n'a pas original, c'est pas DG Yvan ni, c'est pas Banque Centrale qui vend, parce que autrefois c'est la Banque Centrale qui était gardienne, c'est des valeurs, si tu veux, que qu'un servi comme système depuis que. Ça n'a pas existé. En gros, il n'y a plus de thème. En gros, pour nous faire vraiment terminer. Le système n'est pas compliqué. Non, tu viens de déborder. Il y a une série d'émissions pour nous faire ce système. Ça. Parce que ce n'est pas normal. D'accord. Donc là, je vais insister. Oui. Si on monte dans l'État, capitaine des mains, d'accord, il faut reviser le tarif aussi. Oui. D'accord. Parce que si thème discobe là, d'accord, il n'est pas à ce stade-là. Donc ça veut dire qu'il faut nous garder. D'accord. Maintenant, il faut nous garder peut-être même au niveau des amendes aussi. Oui. Il y a des amendes bien signifiées. Comment faut-il que nous payions un goût de sang, un goût de représenter comme amende. En nous sérieux. D'accord. Donc ça peut-être se moquer un peu de ça. C'est pour qu'à dire au bon système. Mais à fait, il faut mettre un petit lot là-dedans. Okay. Il n'est pas possible. Définitivement, nous rendons compte que le mal est partout au niveau du système est pourri. Oui, le mal est partout. D'accord. Donc ça veut dire que vous pas hésiter à dire c'est pour affaire de juge d'avocat. C'est un il y a ça, problème comme si de créer un problème criant de compétence et à un certain niveau on sait le dossier corruption bloqué par faute de compétence n'a pas le dossier lié à la question corruption par exemple il manque de compétence pour analyser un certain de dossier. Oui, je suis d'accord. Ça me pas discuter d'ailleurs on ordonnance que juge Morin Sautran, d'accord, qui peut être assez original puisque il est entré dans le domaine de corruption, dans le domaine spécialisé. Bon, j'aime quoi me comprendre que l'idée fait des études sur ça. Oui. C'est peut-être il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Parce que pas oublier que justice n'est pas Port-au-Prince seulement. Oui. D'accord? Justice, c'est à travers 18 juridictions. Ça veut dire que faut gagner compétence égale, même côté. Hein? Ça veut dire que faut gagner même confiance là, si me plaide Jérémy, que m'a plaidé Port-de-Paix. Oui. Donc ça veut dire que. Comme si, là, comme si on a une différence dans la justice. En pile. Il y a des côtés que il y a des bah, qu'on pas joindre tout. D'accord? Ma bonne petite blague, d'accord? Tout, une petite blague rapide. Oui, d'accord? Je fais expérience là, je le plaidon bagaille. Et l'ASCA au bas. D'accord? Mais juge de paix, je dois peut-être passer même 2 heures de temps, puis je joue monsieur parce que monsieur t'a l'occupé jardin. Là, d'accord? Non, oui, c'est amusant. Oui. Il est amusant dans le sens que
tellement pas gars à faire dans tribunal là. Même ça qui va faire. Bien sûr. On pas de rendez-vous avec elle. D'accord, me fait expérience deux fois, me fait le sodo naturellement sodo, me pas faire réclame pour ça que passer sodo. C'est même bail là. Juge de paix là, d'accord. Li chitade, li travaille uniquement les marché et même là pour faire qui ça? Petit conflit moun qui voit les oranges des bail sérieux. Donc ça veut dire que faut nous ta redéfinir classe tribunal yo tout, peut-être retourner à situation antérieure. D'accord, de manière à ce que nous bail juge de l'autre attribution non à tribunal de paix, parce que base système dans ce tribunal de paix et tout système dans reposé sous ça. Bon, et aux dirigeants, puis on prend note et regardez qu'ils sont capables de porter des solutions avec problème ça autour, mais dans le niveau bas ou à lui-même tout, par rapport aux avocats, et pour poser problème avocat autour, donc c'est parce que c'est chaque son élément dans le système qui est extrêmement important pour nous garder. Donc, merci infiniment et mettre Lisa de pour ce côté répondre avec l'invitation. Hein. Je souhaitais que tout se passe bien au niveau de cette assemblée générale Nabaoa et je souhaitais que les gens qui vraiment a gagné pour le changer ça. Bon, on croit ça tout parce que on croit qu'il y a un devoir tout d'accord de créer unité, c'est peut-être seule institution ou rare institution dans le pays en tout qui jusqu'à présent était qui pas gagné trop de friction. Oui. Il y a des problèmes peut-être personnels, mais c'est quand même une institution qui est assez forte, qui est assez solide. Naturellement, avec très peu de moyens, parce que pas oublier que la loi prévoit que c'est un goutte pour eux, sous chaque papier qu'ils ont enrôlé. Un goutte. Oui. D'accord? Naturellement, et avec des règlements internes, ils fait payer frais d'inscription, frais pour bailler une carte, ils créent des activités qui peuvent peut-être générer comme. Mais c'est pas ça qui résout le problème. Là, maintenant, nous parler de problèmes de droit privé. Mm-hmm. Prochaine fois, on a parlé de droit public. Oui. Parce que, bon, l'autre système judiciaire qui séparé de tout ça, nous dit, hein, qui c'est Cour supérieure des comptes et contentieux administratif. D'accord? C'est pas seulement Cour des comptes, mais contentieux administratif. Parce que, bon, principe fondamental qui existe là, quand nous, l'État jugé tête li. Bah oui, il faut séparer la Cour des comptes et partie contentieux administratif. Bon. Donc, c'est vrai. Qui fait débat ça et qui fait me rappeler Dorval qui était on vraiment mettre Dorval qui était vraiment dans l'analogie que ça. Donc merci infiniment, à la prochaine, M. Lissad. Bon, avec plaisir et n'importe qui là. Merci à tout le monde qui t'a suivi émission Café Show, nous lever l'ancre. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition de émission ça par Napla sans manque à compter de 8h. Radio Le Témoin, potez pour, café chaud, yon matinal concentré, 100% pur jus pour plonger en actualité haïtienne. Pour faire politique, il faut faire du politique. Politique, économie, société, invité, café chaud. Sorti lundi pour arriver vendredi, 8h pour 10h matin, café chaud, senti bon, tout chaud, sous 93.5 FM.